Non, ça n'a pas coupé. Vous savez, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui aiment quand on salit les autres. Ils n'aiment pas la manifestation de la vérité. Ils n'aiment pas. Quand on veut faire manifester la vérité, ils deviennent aigris. Ils sont nerveux. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de signaler ce direct. Prenez la peine d'écouter. Et après, vous verrez si Flore a besoin de venir sur les réseaux sociaux, se placer et raconter ce qu'elle a raconté. Je ne dis pas qu'elle a mal parlé de moi. Je dis encore, elle a raison de réclamer son argent. Mais vous me direz à la fin si Flore a raison de venir sur les réseaux sociaux parler comme elle a parlé. Voilà, c'est tout. Donc, j'étais, pour ceux qui n'étaient pas là, je disais donc, j'ai organisé, le CED est allé prendre Bobby. On est allé prendre Bobby à Bafoussam. On a pris Bobby, menotté, on l'a amené à Yaoundé. Bon, là, je suis même allé trop rapidement. Avant d'arriver à ce niveau, Léo, placez-vous, vous bloquez tous les gens qui mettent les têtes de mort là. C'est eux qui font qu'on bloque le direct. Donc maintenant, quand je suis arrivé au Cameroun au mois de juillet, placez-vous, vous bloquez les gens qui mettent les têtes de mort. Les bloquez tous. Quand je suis arrivé au Cameroun, c'est tombé bien. Avant que je n'aille chez le procureur, j'ai oublié. Ma mère est venue me rendre visite. Et c'est tombé, c'est bien tombé parce que ce même jour, la mère de Jaguar, qui est aussi la mère de Bobby, est arrivée à la maison. Quand les deux se sont retrouvés, le jour-là, c'est tombé. On était en train d'appeler Bobby. Bobby était en train de mal se comporter, il répondait mal. Jaguar commençait à pleurer. J'ai dit à Jaguar, au départ, j'avais voulu rembourser cet argent. J'avais dit à Jaguar que je rembourse. Après, Jaguar m'a dit que ce sera encourager les gens à toujours faire des conneries pour que demain on rembourse. J'ai dit, OK, je vais vers la justice. Quand la mère de Jaguar arrivait, j'ai dit à la maman de Jaguar que là où, tel que c'est là, comme c'est arrivé là, je m'en vais vers la justice et je vais faire arrêter Bobby. La maman de Jaguar a commencé à pleurer. Ma mère était là. Ma mère a commencé à pleurer. Ma mère m'a dit, il faut laisser. C'est ton beau-frère. Cette histoire peut faire que tu te sépares avec ta femme. Pourquoi? Parce que c'est une affaire de famille. Quand tu vas arrêter Bobby, Jaguar, qui est là aujourd'hui, elle se plaint parce que son frère a bouffé l'argent, ne sera plus content. J'ai dit à ma mère, je m'en fous. J'ai pris ma décision. Il s'est mal comporté. Il a manqué le respect. Il dit du n'importe quoi. Et donc, il faudrait qu'on l'arrête pour qu'il rembourse cet argent. Donc, je me plains de Flore à quel niveau? Je me plains de Flore parce que jusqu'à hier à 22h, je dis bien hier à 22h, j'étais en ligne avec Flore. J'étais en ligne avec Flore pour cette histoire. Et c'est Flore qui me dit, avant de rentrer se coucher, que papa, non, ne parle plus parce que je montais en voix. Ne parle plus comme il y a les gens vont nous écouter, c'est une affaire de famille. C'est mieux qu'on gère ça tranquillement. Je dis, OK, ma fille. J'arrive donc à la maison, je te rappelle. Voilà ce qu'elle me dit, ces derniers mots. Quand je rentre à la maison, il se fait tard parce qu'on a fini la réunion sur les champs presque à minuit. Il se fait tard. Je dors. Le matin, je ne peux pas vous dire les qui m'ont appelé. On m'appelle, on me dit, on t'avait bien dit. Voilà Flore, elle est en direct, elle parle, c'est pas. Je dis non, laissez-la, elle a peut-être raison. Elle réclame son argent. Peut-être c'est la manière. C'est la manière. Bon, maintenant, quand on fait arrêter Bobby, Bobby au CED, Bobby passe la première nuit. Il ne dit rien de concret. Bobby passe la deuxième nuit. Pendant la deuxième nuit, l'enquêteur dit, si Bobby ne donne pas l'argent jusqu'à demain vendredi, Bobby ira au parquet. Et au parquet, on va l'envoyer à Koundé. Ça, c'est sûr. Parce que c'est trop d'argent qu'il a pris aux gens. Bobby donc signe les engagements. Il dit qu'il va rembourser l'argent. Voilà la lettre d'engagement qu'il a signée au CED. Il signe, il décide de remettre l'argent. Quand Bobby signe au CED qu'il va rembourser l'argent, moi je ne suis pas d'accord.
J'ai fait peut-être 2 jours, je ne parlais pas avec Jaguar ici dedans. Parce que moi, je voulais qu'on l'envoie devant. Ça, je vous le dis sincèrement. Et à cause de cette histoire, je ne parle pas avec toute ma belle famille. Je vous le dis aujourd'hui. Je ne parle avec personne dans ma belle famille. Parce que je suis déçu de Bobby. Et je suis déçu de ma belle famille qui n'a pas protégé Jaguar qui était enceinte. Et on dit que c'est une affaire de famille. Est-ce que dans une affaire de famille, quelqu'un peut porter autant d'argent et s'en va? Et ce que Flore ne vous a pas dit, parce qu'elle est venue crier, elle ne vous a pas dit que le président Amode ne parle pas avec ce Bobby depuis 2 ans. Et Flore est au courant de tout ce qui se passe parce qu'elle est dans la maison. Flore ne vous a pas dit que Jaguar, qui est la sœur de Bobby, ne parle pas avec Bobby, ça fait plus d'un an. Elle ne vous a pas dit ça. Et pendant que Jaguar ne parlait pas avec Bobby, Flore parlait avec Bobby. Il y a d'abord un couple qui est venu dans la réunion, qui a voulu gâter, qu'elles ont chassé de la réunion. Entre-temps, Flore continuait de parler avec le couple qui a voulu amener des problèmes dans la réunion. Jaguar a voulu arrêter avec Flore à ce moment. Elles ont fait près d'un mois en froid. Mais j'essayais toujours de calmer parce que tout ce qui se passe, ce qui concerne Flore, on dit toujours, c'est ta personne. C'est ta personne. Donc, j'ai continué de gérer ça en grand. J'ai continué de gérer en grand. Je savais que coûte que vaille, Bobby doit remettre l'argent. Et ce n'est pas à moi de remettre cet argent. Donc, quand les gens parlent que Jaguar est stocké, et Jaguar même qui est là cotisait 1 500 tous les mois, et Jaguar même n'a pas eu son argent. Elle-même n'a pas récupéré son argent. Donc, Bobby a escroqué tout le monde. Ce n'est pas seulement Flore. Flore devait bouffer en décembre. Le jour que Flore est allé à la réunion pour bouffer, ça s'est mal passé parce que son argent n'est pas sorti comme elle attendait. Flore m'appelle. Elle me dit, waouh, mon père, tu as vu ce qui se passe. Je n'ai pas eu mon argent. Et avant ça, Flore m'avait déjà dit, quelques mois auparavant, que mon père, j'ai envie de te donner mon argent de la réunion. Dès que je bouffe, tu gardes. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, Flore ne bouffe pas son argent. Elle m'appelle, mon père, elle m'explique. Je lui dis, ok, je vais aller à la maison. Je vais faire asseoir Jaguar, elle va m'expliquer et je vais te dire ce qui va se passer. Ce que j'ai fait, quand je suis rentré à la maison, j'ai appelé Jaguar. J'ai dit à Jaguar que tu sais que Flore, c'est quelqu'un de la maison. Quand ça se passe comme ça, la chose qu'il y a à faire, avant toute chose, d'attendre que l'agent que Bobby va remettre vienne faire bouffer Flore en premier. Comme ça, elle parvient à faire ce qu'elle avait à faire avec son agent. Jaguar me dit, ok, il n'y a pas de problème. On décide donc que Flore va bouffer en premier. Flore est au Cameroun. Flore m'appelle tous les jours. Bon, pas qu'elle m'appelle, on s'appelle. On parle de temps en temps. On parle de temps en temps. Flore m'a dit qu'elle a reçu 2 500. Bon, à la réunion, elle me dit qu'elle a reçu 4 000. Je ne sais pas ce niveau. J'appelle donc Flore tous les jours. Flore m'appelle tous les jours. On est en train de voir le problème. Jusqu'à hier, c'est hier que je parlais avec Flore en lui disant, il est mieux que comme tu es au Cameroun. Parce que moi, je suis en train de voir cette affaire prendre du temps et ce n'est pas bon. Il est mieux que toi-même, tu ailles voir l'enquêteur demain. Flore me dit, ok, c'est bon papa, c'est mieux, je vais aller. On décide avec Flore, on a décidé hier avec Flore que Flore devait aller voir l'enquêteur. Flore, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Ce matin, je me réveille, les gens m'appellent partout. Que Flore est déjà sur les réseaux sociaux en train de raconter qu'on l'a escroqué. J'ai demandé, Flore, pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'aller sur les réseaux sociaux dire qu'on l'a stocké pour une affaire qu'elle connaît tout, mieux que quiconque? Si elle ne connaissait pas, on allait dire, ok, bon, elle ne connaît pas. Flore connaît tout. Et quand Flore dit qu'elle a été bloquée à la tontine, c'est vrai. Flore m'a appelé avant-hier. Non, oui, c'était avant-hier. Flore me dit, mon père, elles m'ont bloqué à la tontine. On l'a bloqué samedi. Elles ont bloqué Flore, pourquoi? Parce que Flore
comme elle devait bouffer la première, il était supposé qu'elle cotise. Et Flore n'a pas daigné cotiser. Et c'est samedi matin, quand Flore m'appelle pour me dire que, président, tes amis m'ont remis les maillots des lions et les casquettes ici et les billets. Je m'en vais au stade. Je dis, OK, vas-y. Et je dis à Flore, j'ai appris que c'est toi qui bouffes aujourd'hui. Non, elle me dit, oui, mon père. Je dis, OK. Flore, maintenant, elle est là. Elle n'appelle pas à la réunion. Elle ne dit rien. Les filles ne savent pas si elle va continuer ou pas. En attendant qu'il gère l'autre problème, comment ça doit se passer? Flore ne dit rien. Il y a un membre de la réunion qu'on appelle Damaris. Damaris appelle Flore. Flore dit qu'elle est au stade et ne peut pas parler. Une réunion que tu savais que tu vas bouffer. Tu t'arranges au moins. Tu appelles au moins les gens, vous causez, vous vous organisez. Flore ne le fait pas. Elle se retrouve au stade. Donc les filles ont supposé que comme il y a deux groupes dans la réunion, il y a l'ancien groupe WhatsApp et il y a le nouveau groupe WhatsApp. Donc puisqu'elle ne veut pas faire partie de ce nouveau groupe et qu'elle veut seulement son argent de l'ancien groupe, vaudrait mieux qu'on la lève de ce groupe et on la laisse là-bas. On la laisse dans l'ancien groupe. Donc, elle est restée dans l'ancien groupe. Quand j'ai demandé à Jaguar, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous l'avez enlevé? On m'a expliqué. J'ai encore appelé Flore. J'ai parlé avec Flore. Je lui ai dit, ça va, Flore. Laisse, on va gérer. Va au set, comme je t'ai dit. Essayons de gérer cette histoire que Bobby rembourse l'argent. Et je ne suis même pas, parce que je saute les étapes avec l'émotion. Bobby a donné rendez-vous au 7. Il avait donné rendez-vous en décembre. Il a donné rendez-vous en décembre qui devait verser 13 millions. Et en janvier, il va verser 7 millions. En février, il va verser le reste, 6 552 000. En décembre, Bobby s'est présenté devant l'enquêteur avec 3 millions. J'ai dit que ce n'est pas normal. Il faut qu'il rembourse quand même ce qu'il avait dit pour que vous essayiez de donner l'argent des gens. Il a donné juste 3 millions. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont décidé avec les enquêteurs? Que si Bobby arrivait jusqu'au 20 février sans remettre les sous, on l'arrêtait, c'était à ne plus gérer. Donc, Flore, si elle était vraiment ma personne, elle allait d'abord regarder que j'ai perdu la relation avec toute ma belle famille à cause de cette histoire. Je ne parle avec personne dans ma belle famille. Jaguar ne parle plus avec personne, à part sa mère avec qui elle parle. Elle ne parle avec personne parce qu'elle suppose que personne ne l'a soutenue dans cette histoire. Parce que chez eux, selon eux, Bobby, c'est le successeur. On ne doit pas arrêter le successeur. Même si le successeur a fait n'importe quoi. Et moi, j'ai dit, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Si le successeur a pris l'argent des gens, il doit remettre. Il doit remettre. Jusqu'à hier, je dis bien hier, j'étais en ligne avec Flore. Hier à 22h. Hein? Elle n'avait pas besoin. Elle devait venir toujours me voir comme elle est en train de me voir tout le temps. Hein? Quand Flore est bloquée, les abeilles qui se placent aujourd'hui pour parler, pour dire du n'importe quoi, moi, je ne dépends pas des abeilles. Je m'en fous d'eux. Je ne suis pas sur Facebook pour chercher quelque chose. Quand Flore est bloquée financièrement, qui elle appelle, c'est toujours moi. Et je n'ai jamais refusé de lui donner de l'argent. Je lui donne toujours. Quand elle a besoin, à n'importe quelle minute, je lui donne. Et elle le sait. Elle le sait. Il n'y a même pas 10 jours, elle était bloquée au Cameroun. Elle voulait Orange Money. Qui lui a fait? Ce n'est pas moi. Quand elle voulait faire sa machine des produits, elle a demandé le prêt chez moi. Je lui ai donné. J'ai demandé, je suis venu un jour sur Facebook, dire que, est-ce qu'à elle-même, depuis 2020, j'ai dit à Flore un jour que, remets-moi mon argent. Je lui ai dit ça. Hein? Est-ce que je lui ai dit un jour que, remets-moi mon argent? Elle est là. Si je lui ai demandé un seul jour, alors qu'elle m'avait dit, dans quelques jours, je te remets. Hein? Quand elle est bloquée, elle me demande, je donne. Elle veut ceci, je donne. Je donne. Hein? Quand on dit que quelqu'un, c'est mon père, quand il y a un problème, tu viens vers la personne. Hein? Tu viens vers la personne, vous dialoguez. Comme on l'a fait depuis le départ.
Elle n'avait pas besoin. Il y a même quelques membres de l'association qui étaient au CERT quand j'ai fait arrêter Bobby, qui veulent intervenir. Et est-ce que c'est à moi de venir rembourser l'argent d'une tontine? On dit que Amolo bandit. Bandit par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Donc, quelqu'un vient porter l'argent des gens, il part. Je le fais même arrêter mon beau. Je fais arrêter mon beau frère. Je dis, je m'en fous. Hein? On commence à raconter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Parce que Facebook est venu, chacun veut dire ce qu'il veut. Et tout ça, c'est flore parce que c'est elle qui a amené ça sur la toile. Et elle savait les répercussions que ça aura. C'est pourquoi je lui en veux. Elle savait que ça allait se passer ainsi. Hmm? Elle n'avait pas besoin de tout ça. Elle était déjà plus amie avec Bobby que Jaguar. Jaguar ne parle pas avec Bobby, ça fait plus d'un an. Et elle le sait. Et tous les membres de la réunion le savent. Moi, je ne parle pas avec Bobby, ça fait 2 ans. Hmm? Quelqu'un avec qui je ne parle pas, je traite pas avec lui. Bobby arrivé en Europe, il a dit qu'il est déjà trop grand. Il avait un grand salaire. Hein? Il ne dépend plus de personne. Je traite quoi avec Bobby? Elle n'a pas regardé que moi, j'ai pris la peine de faire arrêter quelqu'un qui est d'abord mon beau. Elle pouvait le faire pour son beau-frère. Qui de leur réunion a levé le petit doigt pour faire arrêter Bobby? Si je ne me levais pas pour le faire arrêter. Et je fais arrêter quelqu'un, ça devient encore du n'importe quoi sur la toile. Et il prend même des engagements. S'il n'avait pas pris les engagements, on allait dire oui, c'est bon. Amod n'a rien fait. Sa femme a laissé dans la réunion. Et même Jaguar n'a pas bouffé son argent. Tout son argent qu'elle a cotisé, elle n'a pas bouffé. Donc elle-même elle pleure comme Flore. Et même s'il faut rembourser, on va se mettre à rembourser les sommes comme ça. Quelqu'un vient, donc n'importe qui va venir maintenant en Europe, il porte l'argent, il part. On dit qu'Amod va rembourser. Donc, je suis là pour rembourser les agents que quelqu'un est venu en Europe. Il a porté l'argent des gens. Il dit que son père a laissé les biens. Il s'en va rénover. Il a ouvert un snack. Il est en train de rénover ses immeubles. Il a les terrains qu'il a mis à vendre. Qui vend ces terrains, il paye l'argent des gens. Hein? Ce n'est pas à nous de remettre. Ce n'est pas à nous de rembourser. Donc, les gens ne disent pas du n'importe quoi sur la toile. Et ce qui est embêtant, c'est que Flo connaît toute la vérité. Flore connaît tout. Je ne fais rien sans appeler Flore. Je ne fais rien. Même quand je dépose, j'envoie qu'on dépose la plainte, j'appelle Flore. Quand on arrête Bobby, la première personne que j'appelle, c'est Flore. Quand il y a n'importe quoi, c'est Flore. Donc les gens ne disent pas du n'importe quoi. Hein? On se place sur la toile. Oh, c'est Amod bandit, Amod voleur de cartes. Je veux encore vous dire une chose aujourd'hui que vous ne connaissez même pas. En Europe, le business des cartes bleues, c'est pour les derniers. Les derniers en Europe, c'est ceux qui viennent d'arriver en Benin qui font ça. Et je n'ai jamais fait ça en Europe. Renseignez-vous auprès de tous mes amis. Je n'ai jamais fait l'affaire de cartes bleues en Europe. Et je n'ai même pas d'abord besoin de ça. Parce que c'est le dernier des business. Couper les billets d'avion, couper les petits trucs, ça sert à quoi? Ça donne quoi? Jusqu'à on se place, n'importe qui se lève, même un vaurien qui n'a encore rien fait en Europe, oh, il a volé les cartes bleues, oh, un voleur de cartes bleues. C'est parce que je ne veux pas me défendre dans les conneries. Ça ne sert à rien. Je ne veux pas prendre l'appareil devant, mettre devant moi tous les jours comme les gens pour m'expliquer. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai une personnalité. Hein? J'ai une personnalité. Toutes sont victimes. Flore comme Jaguar sont des victimes. Les deux ont perdu leur argent. Et la personne qui a pris l'argent s'est engagée à rembourser. Maintenant, si on bloque Flore du groupe, le groupe, c'est son groupe. Flore est de la maison. Ce n'est pas quelqu'un de dehors. Hein? On gère. On appelle Flore. Flore s'assoit. Jaguar s'assoit. Elle parle comme elles font souvent. Hein? Elles ont déjà eu combien de problèmes ici, j'ai arrangé. Elles ont déjà eu combien? Elles sont en foi ici. En un an, elles le font au moins 10 fois. Je gère toujours en interne. J'ai déjà pris la caméra un jour pour me placer, dire que oh, je suis flashé contre Flore. Ou bien j'ai fait ceci contre Flore. Hein?
Et pas se placer. Et les gens se placent sur les réseaux sociaux. Oh, Flo t'a soutenu. Flo a fait ceci sur la toile. Flo fait ceci. Moi, j'ai besoin de ça sur la toile. J'ai besoin de ça. Vous croyez que je suis sur la toile pour chercher quelque chose? Je suis là pour m'amuser. C'est un passe-temps pour moi. Je gagne quoi sur ça? Je gagne quoi sur les réseaux sociaux? Il y a ceux qui gagnent, qui ont monétisé leur page. Ils ont besoin de ça. Moi, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Elle a le droit de réclamer son argent, oui, mais elle n'a pas le droit de venir dire n'importe quoi sur nous, sur la toile. Et en plus, sachant que c'est un problème qui nous concerne, hein, chez nous, on dit que le sang de la langue, on ne verse pas au sol, on avale. Moi, tout ce que j'avale par rapport à Flo, elle le sait. Elle le sait. J'ai quel problème avec Doudou Ngamba, hein? Juste parce qu'elles ont eu les problèmes, j'ai pris ma position. Et Doudou m'en veut. Doudou, c'est un camarade de classe. J'ai quel problème avec Patricia Mel? J'ai pris juste ma position parce que c'est ma fille. Je ne peux pas la laisser à la vindicte populaire. Quand elle a un problème, je prends son côté et je reste tranquille. Je ne parle pas. La fille du Canada, j'ai quel problème avec elle? Juste que quand elle m'appelle par rapport à Flo, elle voit mon intervention, que je supporte toujours Flo. Et elle se met toujours de côté. Après, elle commence à m'insulter là-bas. Elle insulte les gens de l'extérieur. Je m'en bats les couilles. Si tu es à l'extérieur, tu m'insultes même 1000 ans. Quand vous me voyez, quelqu'un m'insulte sur les réseaux sociaux, tant que je ne réponds pas, c'est que pour moi, il n'existe pas. C'est un moustique. Oui, c'est un moustique. Je vois même les gens qui sont là, qui ont raté Mbeng, ils sont au Cameroun, ils prononcent mon nom. Si on les place face à moi, ils peuvent parler. Ils peuvent parler. Ou bien parce qu'on a décidé d'enlever le manteau et jeter. Ils peuvent faire la sauvagerie que moi, je peux faire. Bobby a pris l'argent, c'est clair. Bobby a pris les engagements de rembourser. C'est net. Hein? Flo n'avait pas besoin de ça. Connaissant la relation qui nous lie, je ne dis pas qu'elle ne doit pas réclamer son argent, mais elle n'a pas besoin de venir se placer sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin. Sachant qu'elle et moi, on était en train de gérer. Elle n'avait pas besoin. Et elle sait que Bobby a fait la complicité avec la dame pour prendre l'argent. Elle sait tout. Elle sait tout. Et dans quel état? Elle connaît dans quel état Jaguar est. Jaguar a un ou deux doigts de l'accouchement. Est-ce qu'on fait ça? Elle a pensé à Jaguar qu'elle appelle Massistou. Tous les jouets sont ensemble. Parce que Facebook est venu, n'importe qui peut mettre la toile, l'écran devant lui, faire les pleurs, on envoie les litchis, ou bien faire les pleurs, on l'aide. N'importe qui peut le faire. Hein? Mais elle n'a pas besoin de ça. Elle devait penser quand même à notre relation. Si au moins Jaguar avait mangé son argent, on allait dire oui. Hein? On allait dire oui. Mais Jaguar n'a jamais mangé son argent. Et Jaguar aussi est victime dans cette réunion. Même si Flo n'a rien dit sur moi, à partir du moment où on connaît comment la toile fonctionne, dès qu'elle dit Amot, on sait déjà ce que les gens vont essayer de mélanger pour créer les problèmes. Et elle le sait. Elle le sait. Flo n'est pas novice sur la toile. Elle savait qu'en disant seulement Bobby Amot, on va dire que oh, c'est Amot. Et les détracteurs vont prendre pour faire ce qu'ils ont fait avec. Elle le sait. Est-ce qu'elle est bête? Elle n'est pas bête. Elle, Flo, elle pouvait prendre son beau maître à faire arrêter comme j'ai fait arrêter et décider qu'on l'envoie en prison. Elle pouvait le faire pour l'argent. Moi, je l'ai fait parce que je me dis que non, il a très mal agi. Il n'a pas à prendre l'argent des gens. Il n'a pas à prendre l'argent des gens. Ils disent que je parle mal. Je parle mal et je peux pas. Je parle mal de Flo 1000 ans. Je peux parler maintenant mal 1000 ans. Parce que jusqu'à hier, 22h, m'appelait mon père. Tu ne peux pas appeler quelqu'un ton père à 22h et le matin, il se réveille que tu avais son nom sur les réseaux sociaux. Vous parlez même de quoi? Hein? Parce que vous avez besoin de direct pour essuyer vos peines et vos douleurs. Hein?
Moi, j'ai pas. Vous croyez que j'ai manqué l'occasion de venir m'asseoir sur Facebook et parler de flore? Vous croyez que c'est l'occasion qui m'a manqué? Mais je ne parle pas parce que j'estime qu'on a quand même quelque chose de fort entre nous. Et même s'il faut rembourser l'argent, est-ce que c'est de cette manière? Est-ce que ça se passe comme ça? À partir du moment où les gens sont déjà allés vers les autorités et qu'il y a une procédure en cours, est-ce qu'on a encore besoin d'aller sur la toile? Léo! 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 Appelez Patrice. Appelez Patrice, vous me le passez. Je vais vous passer le membre qui a reçu la réunion ce samedi. Et il va aussi vous expliquer. Franchement, hein, c'est pas que je parle mal ou je mélange tout. Vous ne comprenez rien. Ce qui est sûr, les gens sur la toile ont besoin de tout pour faire le buzz. Et ce n'est pas bon. On ne fait pas le buzz avec tout. On ne fait pas le buzz avec tout. Moi, je ne viendrai jamais avec le nom de Flor sur la toile. Si elle n'avait pas donné cette occasion, par rapport à quoi? Hein? Une personne que tu appelles mon père? Est-ce qu'on a besoin de ça? Même si on a besoin de vie ou on a besoin de compassion, on respecte quand même la relation qu'il y a entre les gens. On respecte. Et à chaque fois qu'elle m'a appelé, ce n'est pas comme si je n'ai pas été attentif. Voilà, je vais vous faire écouter Patrice, le membre qui a reçu la réunion et qui est au 7 on a arrêté vos vies. Allô Patrice, on t'écoute là. Oui, Président, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir tous les internautes. Donc, bon, voilà, je vous explique en bref. Je vous explique en bref parce que j'étais personnellement au Cameroun pour ce problème. Donc, l'histoire Bobby est très très compliquée et Flore, vraiment, c'est déplorable de me lever le matin et voir une telle vidéo parce que j'ai eu à t'appeler avant, tu ne m'as pas répondu. Pourtant, tu sais parfaitement la procédure qui est en cours. Et j'aimerais aussi attirer l'attention des gens qui font des directs n'importe comment sans avoir des informations précises en fait. Ça, c'est déplorable aussi. Cette histoire s'est passée il y a quelques mois. Où on a eu un trésorier à qui on faisait entièrement confiance. Tout le monde, je ne vais même pas dire sauf ses sœurs, tout le monde, tous les membres de l'association faisaient confiance à ce trésorier. Donc, il nous a berné, il est parti avec l'argent. On a pris le problème à main, on s'est dit, il ne faut pas qu'on laisse cet argent partir. Mais malheureusement, ça tombe un moment où on va au Cameroun pour la remise des dons. Donc, du coup, on n'a pas le temps d'anticiper avec ce problème. On se dit, après la remise des dons, on va avoir ce problème. On a fini ce qu'on avait à faire au Cameroun. Amod nous a conduit vers le procureur de la République, au procureur général. On était au bureau du procureur général, 6 membres de l'association. On s'est retrouvés dans le bureau du procureur général à Yaoundé. Jabo Amod, moi et les autres membres de l'association. Le procureur a posé la question, écoutez-moi bien, parce que les gens prennent souvent les situations à cœur sans toutefois avoir les informations précises. Le procureur de la République, je précise bien, le procureur de la République a posé la question à Jaguar, c'est ton frère, est-ce que tu es prêt à entamer cette procédure? Parce que c'est une procédure qui ne va plus s'arrêter et ton frère risque d'aller en prison. Jaguar, devant le procureur, a dit, c'est l'association, c'est une association, c'est pas mon argent, c'est l'argent de l'association. Donc, s'il faut que Bobby remette l'argent, il faut qu'il remette l'argent. Moi, je ne peux pas prendre la responsabilité parce que c'est l'argent des gens. Je ne peux pas dire qu'on va laisser Bobby, c'est mon frère, mais s'il est question de l'envoyer en prison pour cet argent, moi, s'il veut rembourser, il rembourse, moi, je me décline. Le procureur a engagé la procédure. On a ramené l'affaire devant le commissaire de police. On est allé saisir Bobby par le canal du président qui a financé pour ça. Un seul membre de l'association n'a même pas sorti une 5 francs pour ça. Je dis bien, c'est le président qui sort son argent
ça poche pour l'intervention. On ramène Bobby à Yaoundé. Quand on ramène Bobby à Yaoundé, puisque les filles étaient déjà rentrées, moi je suis resté au Cameroun seul pour ce problème. On me rappelle à la gendarmerie, je redescends au CERN. L'enquêteur me met face à Bobby. Je pose la question à Bobby. Tu fais comment de l'argent de l'association? Parce que c'est l'argent des membres, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas une histoire familiale, c'est une histoire d'argent, c'est une histoire d'association. Bobby a joué le dur. Bobby a joué le dur. J'ai rappelé Paris. Paris m'a dit si Bobby joue le dur, on lance la procédure. C'est comme ça que j'ai dit à l'enquêteur de lancer la procédure. Je suis sorti, je suis parti. La journée qui suivait, ce sont les avocats chevronnés. J'ai dit bien, écoutez bien, les avocats chevronnés qui rappellent Jaguar, la présidente, négocier avec Jaguar en disant que Bobby a trouvé une solution, il va remettre l'argent telle date, telle date et telle date. Comme c'est un frère, nous on n'a pas l'intention de l'envoyer en prison. On réunit les membres de l'association, on table sur ce problème et on juge que non, on va laisser le temps à Bobby pour qu'il nous remette notre argent. C'est comme ça que Bobby est relâché de la cellule où il était. Il était convaincu que Bobby commence à nous donner l'argent. On a fixé une date. Arrivé ce jour, Bobby ne remet pas cet argent-là. Les membres recommencent encore à se fâcher, commencent encore à... En fait, les membres ont remis ce problème sur la table. Ça a repris feu. On a essayé de calmer. On avait Bobby en ligne, tout le temps on avait Bobby en ligne. Flo connaît parfaitement le déroulement de cette situation. C'est pas qu'elle était incognito dans cette affaire. Bobby, maintenant, a essayé de rassurer les gens qui pouvaient rassurer. Mais à un moment donné, tout le monde en avait marre. Même les gens qui ont pris les devants se sont découragés parce que Bobby fatiguait tout le monde. Et ce matin, on se lève avec la vidéo de Flore. Avant que Flore ne fasse la vidéo, avant que la réunion du dimanche n'arrive, moi j'ai essayé d'appeler Flore. Flore n'a pas décroché. J'ai essayé d'envoyer les messages à Flore. Flore n'a pas répondu aux messages. Dimanche, le jour de la réunion, samedi à la veille déjà même, les membres ont essayé d'appeler Flore, n'a toujours pas répondu. Dimanche à la réunion, séance tenante, on a encore essayé de joindre Flore qui n'a toujours pas répondu. Voulez-vous qu'on fasse? On est là, Flore devait bouffer, on n'a pas les nouvelles de Flore, on n'a les nouvelles de personne. Donc, la réunion était samedi, pardon, je parle de dimanche, la réunion était samedi. Donc, on a les nouvelles de personne, personne. La présidente a décidé comme elle pouvait décider. Et Flore, comme on n'avait pas de ces nouvelles, on s'est dit, bon, elle n'est plus dans l'association, on a enlevé puisqu'on a deux groupes. On a enlevé Flore dans le nouveau groupe qu'on a créé, où il y a les nouveaux membres. Et Flore est restée dans l'ancien groupe, parce que dans ce groupe, on débattait le problème Bobby. On évitait de débattre le problème Bobby dans le nouveau groupe pour que ça n'affecte pas les nouveaux membres. On débattait l'affaire Bobby dans l'ancien groupe. Flore n'intervenait pas. Quand elle s'est rendue compte, je sais pas ce qu'il a pris lundi matin, elle s'est levée, elle a fait le direct. Franchement parlant, j'ai eu, il y a 3 heures de temps, j'ai eu Bobby en conférence avec Georges, parce que cette association a deux garçons. Parmi les membres, il n'y a que deux garçons. J'ai eu Bobby en conférence avec Georges, qui est aussi un garçon de l'association. On a parlé à Bobby, on a mis les faits devant Bobby et on a crié sur Bobby. On a dit qu'on était prêt à dépenser de l'argent, descendre au Cameroun pour mettre fin à ce problème. Et Flo sait très bien que ce problème, on a ce problème dans notre cœur. On veut finir avec ce problème. Donc, se lever un matin et faire le direct et expliquer tout ça, qui ne dit même pas déjà la vérité. Le jour qu'elle a bouffé, il y a des gens qui n'ont même pas cotisé. Flo avait besoin d'arrondir son argent et les gens n'avaient pas assez d'argent dans leur poche. J'ai pris l'engagement, moi, d'aller dans mon compte bancaire, choquer ma carte pour retirer l'argent et compléter l'argent de Flo pour qu'elle puisse résoudre le problème qui la tenait à cœur. Tout ça, pourquoi? Parce que je voulais que Flore comprenne qu'on est dans un problème et qu'on cherche des solutions à résoudre ce problème. Tout le monde va avoir son argent. J'ai eu Bobby. On a crié sur Bobby. Bobby lui-même sait ce qu'il attend s'il ne rembourse pas cet argent. On n'a pas pitié. C'est pas une association familiale. C'est une association où c'est pas la famille. Nous, on n'a pas de pitié dans ce problème-là. Quand ça va déborder, nous, on va réagir. Parce que nous, on ne peut pas accepter perdre cet argent. Donc, les gens qui viennent raconter leur vie sur les réseaux sociaux, et par rapport au direct de Flo, franchement, pardon, il faut vous calmer. Et quand vous mettez Amod dans vos problèmes, est-ce que Amod fait partie de cette association? Amod ne fait pas partie de cette association. Chaque membre de cette association est responsable de ce problème Bobby.
Il ne faut pas porter ce problème ou mettre sur Jaguar ou sur son mari. Je ne vois même pas pourquoi est-ce que Flo, quand elle parlait, de toutes les façons dans son direct, quand elle parle de Bobby. Mais elle parle de Bobby tout en sachant ce qui se passe par rapport à la procédure de Bobby. Pourquoi venir mettre ça sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Moi, je ne comprends pas et je n'ai d'ailleurs pas compris. Donc, aujourd'hui, j'aimerais que les gens sachent que on nous a touchés au plus parce que les histoires d'association, en général, dans notre association, on évite que nos problèmes se retrouvent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une loi qu'on a mise. Aujourd'hui, on nous a exposé très mal même une si belle association. Je vous le dis sincèrement. Les gens parlent de voleurs, de ceci. Nous, on n'a pas ce genre de problème dans notre association. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont un petit peu jaloux, mais cette association, c'est des gens qui ont le cœur. C'est des gens qui savent ce qu'ils font. Alors, si on a eu un petit problème avec notre trésorier, c'est pas la raison pour laquelle on va venir nous afficher sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, je supplie Flore de revenir un peu à la raison. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de donner des explications. On nous appelle de partout. On nous insulte. On nous dit des trucs. Flo, en général, ne se bat que pour elle. J'ai l'impression. Mais il faut que vous sachiez que le problème n'est pas seulement Flo. C'est pas que Flo qui a ce problème d'argent. C'est tous les membres de l'association qui sont concernés. Est-ce que dans cette association, il n'y a pas des blogueuses? Est-ce qu'il n'y a pas des influenceuses? Pourquoi il n'y a que Flo qui allait mettre sur les réseaux sociaux, cette association? Pourquoi? Dans cette association, il y a des gens qui pouvaient aussi faire des vidéos, mais personne n'a fait des vidéos parce qu'on comprend, parce qu'on sait ce qui se passe. On sait que ce n'est pas la faute à Jaguar. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, son nom se retrouve sur les réseaux sociaux? Le nom de notre association se retrouve en ligne. Et le nom de son mari se retrouve sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Je sais que faire des problèmes, mais à un moment donné, il faut réfléchir. À un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. Donc, c'était un peu, voilà, en quelque sorte, l'explication que je voulais apporter, et que les gens arrêtent de se parader sur les réseaux sociaux et dire n'importe quoi. Que les gens arrêtent quand ils n'ont pas des informations précises, quand ils ne savent pas ce qui se passe. C'est encore mieux d'aller chercher des réponses. D'aller chercher avant de venir faire des directs. J'ai suivi des directs un peu partout. Les gens se lèvent, ils commencent à faire des directs, donner son argent. Sans... J'ai même suivi des directs où les gens étaient même étonnés lorsque les gens intervenaient. J'ai dit, mais comment vous pouvez faire un direct sans avoir les arguments, sans avoir les cartes en main? Comment c'est faisable? C'est comme ça qu'on sème la zizanie dans le cœur des gens. En fait, les gens qui n'ont pas d'informations ne peuvent que se fier au direct en face d'eux. Donc, ça, du coup, ça sème un peu la zizanie, ça sème les problèmes. Et les détracteurs sont là derrière, ne profitent, ils n'attendent que ça en fait. Il faut que vous sachiez ce soir que ce problème de Flore de Lille, c'est un problème qui concerne toute une association. C'est pas un problème seulement de Flore, parce qu'elle n'est pas la seule qui n'a pas pu récupérer son argent. Flore dit qu'elle a 11 000 euros. C'est pas 11 000 euros parce qu'elle a bouffé une partie déjà. Tout le monde met sur les réseaux 11 000 euros, c'est pas 11 000 euros et déjà. Et en plus, Flo a perdu. Jaguar, à moi, n'a même pas eu 5 francs. Et elle l'a dit, si mon argent, je perds mon argent, c'est pas un souci, mais mon frère doit remettre l'argent des membres de l'association. Et je vous dis, chers internautes, si franchement, il y avait la malhonnêteté dans cette histoire, est-ce que Jaguar, à moi, allait porter, faire en sorte, donner l'autorisation qu'on porte son état à son frère pour l'envoyer en prison? Je vous le dis personnellement, j'étais dans le bureau du procureur. Donc, ça veut dire que si vous accusez Jaguar moi, du faux, ça veut dire que vous m'accusez du faux parce que j'étais là personnellement. Et j'ai vécu la situation, j'ai suivi ce dossier. Et Amon m'a donné l'itinéraire à suivre. On a suivi ce dossier au Cameroun jusqu'à ce qu'on tire des conclusions. Donc, ne venez pas tout le temps sur la toile dire n'importe quoi. Surtout parler d'un couple comme ça sur la toile, c'est pas gentil, c'est pas sérieux en fait. Ok, C'est pas Patrice. sérieux. Patrice, on t'a écouté. Passe une bonne soirée. Merci Bon, beaucoup. je voulais dire ceci et je redis encore. Interprétez comme vous voulez. Je suis fâché contre Flo et c'est avec raison. Parce que Flo, jusqu'à hier soir, m'appelait mon père. Et tu ne peux pas appeler quelqu'un ton père, tu l'amènes sur les réseaux sociaux. Flo connaît comment les réseaux sociaux fonctionnent. Parce que c'est une actrice des réseaux sociaux. Elle connaît le fonctionnement. Donc, elle savait qu'en mettant cette histoire sur les réseaux sociaux, c'est Amot qui sera visé. Parce que la personne qui a une personnalité à défendre, c'est Amot. On va dire oui, oh Amot, voilà, oh Amot, Amot, remets l'argent. Je remets l'argent de quoi? Vous-même, dites-moi, je remets l'argent de quoi?
Je remets l'argent de quoi? Je ne suis pas dans la tontine. Je ne suis pas dans l'association. Elles font leur association. Je suis là, je suis le père de Flore. Jaguar, c'est ma femme. S'il y a un problème, qu'est-ce qu'il y a à faire? Trouver le juste milieu. Je fais arrêter mon beau-frère. Je mets toute ma belle famille à dos. Je m'en fous. Parce que c'est l'argent des gens. Moi, mon problème, c'est lequel dedans? Un problème qu'on est en train de gérer en interne. Est-ce que Flore a besoin de ramener ça ici? Elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin. Vu que hier, je dis encore hier à 22h, c'est Flore qui me dit à l'oreille, pas à quelqu'un d'autre au téléphone, que « Ouah, mon père, comme tu es là, il y a les bruits. Non, il ne faut pas que quelqu'un écoute ça. Je préfère que ça reste comme ça. C'est une affaire de famille. On parle après. » Moi, quoi dedans? Je ne fais que chercher à trouver une solution. Ceux qui disent que Flore n'est pas indexé, Flore, ce n'est pas un enfant. Flore connaît qu'en ramenant ça sur les réseaux sociaux, certaines personnes qui ont besoin du buzz vont s'attaquer à moi. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que mon nom a été épargné? Vous qui venez parler là parce qu'on dit abeille, vous avez besoin de ça pour vivre. Vous avez besoin qu'il y ait la haine. Est-ce que vous ne m'avez pas attaqué? Est-ce qu'on ne m'a pas attaqué? Quand vous dites que Flore n'est pas indexé, ce n'est pas mon nom qui est partout. Ma photo n'est pas partout. Ma photo n'est pas partout. Quand elle dit déjà Bobby Amot, on sait déjà qui est Amot, c'est fini. C'est fini. Ceux qui ont soif de vengeance, ceux qui ont raté leur vie en même, tous vont tomber sur ça. On connaît comment ça fonctionne. Voilà le dernier voice que Bobby a envoyé, je crois que c'est ce matin. Aussi, je ne sais pas comme ça. J'ai devant vous encore une fois de plus ce matin, c'est pour vous dire que je suis désolé et pardon, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Je vous dis bien que tous les rendez-vous que je vous donne, les gens me donnent des rendez-vous. Je suis même sur le point de prendre de l'argent à quelqu'un pour déposer d'abord. Je suis en train de faire tout, de prendre de l'argent. J'essaie de vouloir faire passer, vendre un truc. Il y a eu des papiers que je suis en train même de résoudre et je cherche à prendre de l'argent d'abord à quelqu'un d'autre pour donner. Parce que je parle avec certains membres. Madame Dumont même m'a appelé dans ma ruse tous les temps alors. Et si vous m'appelez parfois sur ce numéro, ça ne fonctionne pas. Appelez-moi sur l'autre. Parce que l'autre, je suis plus avec l'autre téléphone de la fille. On est ensemble. Mais par contre, ce téléphone-ci, ce n'est pas mon numéro. Que je peux vous dire que c'est quelqu'un qui est avec moi, qui est avec moi, qui m'aide à démarcher. Parfois, vous écrivez, ça ne passe pas, parce qu'il ne prend pas, parce qu'il n'est pas à côté. J'ai besoin de fuir ou bien de partir ou que ce soit. Non. Même le commissaire m'appelle, je décroche. Le numéro direct m'appelle, je décroche. Mon numéro direct n'a pas de WhatsApp. J'ai appelé le commissaire. Oh, j'ai appelé le commissaire. Même le commissaire, il m'a donné les conseils de faire. J'ai fait tout ce qu'il faut. L'enquêteur, pardon. Je suis en train de couvrir l'impossible. Vous pensez que lui-même, il n'est pas humain, il ne parle pas avec moi. Il parle. Il ne parle pas avec moi. Je vous ai dit que j'ai eu affaire, proposer même 11 millions de francs au monsieur qui était là. Il dit que non, ce n'est pas ce qu'il avait dit avec mon père qui le dévalore, qui n'a aucun papier. Je suis quitté sur l'option là. Avec ça, c'est les conseils du commissaire. Je suis allé sur l'autre option. Je suis en train de gérer certains plans B, plans C pour donner l'avance. Vous pensez que ça me plaît que tous les temps, je réfléchis sur quelque chose? Dieu est grand. Je suis debout. Par la grâce de Dieu, je suis debout. La santé vient déjà en forme. Je suis en train de... Quand vous voyez même ma manière de parler, je sais que je sais là. Je sais de tout mon cœur, sur la tête de ma mère, que je suis en train de me battre pour résoudre cela. Et je vais le résoudre. Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Et Georges, quand tu appelles, je ne suis pas à côté.
du téléphone là, appelle sur l'autre. L'autre, je pense que c'est là sur Damaris va te donner. Je peux que vous souhaitez le meilleur. Je ne suis pas là pour vous détruire. Pourquoi je veux mettre. Vous, je vous comprends. Si je vous dis la semaine prochaine, on va me dire la semaine prochaine, vous connaissez comment les gens sont. On te donne un rendez-vous, c'est compliqué. Je suis en train de gérer à tous les niveaux pour que ça se résout. Mais je pense bien que ça va se résoudre. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas. J'ai des rendez-vous, on me confirme même. Quand j'arrive pour gérer le jour, on dit ça tourne en bruit, ça fait comme ça là. Mais je suis en train de trouver une autre solution. J'ai tous les plans, plan B, plan C. Je vous dis, je vous en supplie. C'est qui dit que depuis deux ans, je ne parle pas à Bobo, il a envoyé le voice à qui? C'est pas moi, il a envoyé dans le groupe de l'association. Que c'est quelle date? D'autres vont me dire c'est quel, tu me tournes en bourrique, Patrick, oui, je joue avec vous. D'autres vont dire c'est si. Mais je vous dis, de, avec un cœur, je ne vous tourne pas en bourrique. La dernière fois, Patrick est venu au commissariat, ils sont venus me prendre comme je partais, toujours pour un traitement, mais j'étais toujours sur ça pour. Je n'étais même pas. Mais je suis venu, j'ai confirmé là-bas, j'ai accepté. La dernière fois, je n'avais pas cette tête, mais je vous ai dit oui, je vais gérer. Je suis en train de me battre à tous les niveaux. Si, ça ne sert à rien de. Est-ce que moi j'ai un problème pour le commissaire, l'enquêteur, l'officier? Il me convoque quand je pars. Vous n'avez pas besoin de dépenser l'argent pour qu'on vienne m'arrêter. Est-ce que moi j'ai un problème de le fuir? Je ne le fuis pas. Je parle avec lui au téléphone tous les jours. Il me met une pression aussi. Vous pensez qu'il ne m'appelle pas? Il ne peut pas faire 3 jours sans m'appeler. Je suis en train de résoudre ce problème. Je suis en train de me barrer à tous les niveaux. J'en ai des choses que je peux, mais ça tourne comme ça. Je suis en train de tout faire. Par la grâce de Dieu, ça va aller. Et je sais bien que ça va aller cette fois-ci. Je sais bien. Et je vais en finir. Je suis en train de chercher tous les moyens, avancement même d'une grosse, tous les moyens pour que quelqu'un me prête une somme. D'abord pour que vous essayez de vous calmer, pour essayer de mettre les choses normalement. Mais je sais bien que ça, vous avez tellement mal, vos programmes, tout ça. Je vous demande encore pardon et grâce. De grâce, je vous demande pardon. Ceux qui veulent, qui vont dire, certains m'ont dit que oui, Bobby nous tourne en bourrique, le pardon, la machin. Vous voulez que je vous dise quoi quand vous allez m'appeler? Vous voulez que je vous dise quoi sincèrement? Je ne peux pas vous mentir. Je suis en train de chercher tous les moyens. Allez même n'importe où, vous vous méditez, vous voyez, on va vous dire, je suis en train de chercher tous les moyens pour gérer cette histoire-là. Je ne suis pas quelqu'un de malhonnête. Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Mais, quand je finirai ça, vous allez voir vraiment que je ne suis pas un homme. Vous allez voir la vérité devant vous. Je ne suis pas quelqu'un de faux. Je viens ce matin, ce dimanche, pour vous demander pardon. Attendez juste un peu. Je ne peux pas vous dire la semaine prochaine. J'ai les rendez-vous tous les jours. Que ça soit agent immobilier, que ça soit des amis, que ça soit des personnes que je veux, que ça soit n'importe quoi. Même mon téléphone, j'appelle tous les gars de l'afficheur pour que, parce que j'ai des contacts, que ça soit n'importe comment pour trouver les moyens les plus, le pour vous, pour, j'ai posé d'abord une somme. Je suis en train de voir comment faire à tous les moyens, avec tous les moyens.
Ma mère appelle. Voilà, on cherche. Je cherche tous les moyens sur la tête de ma mère. Je veux vous manquer pourquoi? Je ne parle pas avec, je ne veux pas trop parler de son téléphone. Parce que je suis tous les jours, je suis en train de chercher tous les moyens. Je suis jeune, hein. J'ai eu affaire des associations jusqu'à tout ça. Je ne peux pas faire le faux avec ce qui ne m'appartient pas. Je vous en supplie. Patientez juste un peu. Je ne veux pas de problème avec vous. Je ne veux pas vous crier. Je ne veux pas faire quelque chose derrière pour vous mentir. Je ne veux pas vous tourner en bouillie, je ne veux pas, parce que même l'enquêteur le sait. Vous connaissez le Cameroun, je ne suis pas quelqu'un de faux. En tout cas, bonne journée. Si je vois j'espère que vos paroles vont un peu être apaisées, parce que je sais que vous êtes. Vos cœurs vont se calmer un peu. Je sais que vous êtes excessivement énervé. S'il vous plaît. S'il vous plaît encore. S'il vous plaît. Sous le nom, devant Dieu. Ma famille, je ne suis pas en crainte. Ma famille est derrière moi pour gérer cette histoire ici au pays. On est en train de trouver, de chercher des solutions. Et je pense que le plus tôt sera le mieux, comme je vous dis. Je vous dis que tous les rendez-vous que je vous ai donnés, je ne vous trompe pas. Je ne vous trompe pas. Je ne vous trompe pas. Que Dieu touche votre cœur. Je suis en train de tout faire. Je vous prononce sur la tête de ma mère. J'étais vraiment, j'ai eu trop. Je n'entre pas dans les détails. Vous ressentez comment je suis en train de me porter bien de plus en plus. Voilà. Je vous en supplie. Donc, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de tonnes d'appels que j'ai reçus, que ce soit de la France ou du Cameroun, pour cette histoire. Tout le monde m'a dit appelle Flore. Vous parlez, j'ai dit je ne parlerai plus avec Flore. Je ne parle plus avec Flore, pourquoi? Parce que Flore connaît mon comportement. Elle sait comment je suis. Et elle sait que mes problèmes, je ne les amène jamais sur les réseaux sociaux. Moi, quand on me voit venir sur les réseaux sociaux, surtout pour faire un direct, c'est pour me défendre. Par rapport à quelque chose qui m'a vraiment touché. Surtout si c'est quelqu'un qui m'est cher ou quelqu'un avec qui je partage quelque chose. Mais les gens qui ne valent rien, ils peuvent faire 1 milliard de directs, je ne les gère pas. Je ne les gère pas. Donc si je fais ce direct, c'est parce que je suis choqué, parce que c'est Flore. Parce que c'est Flore, une personne qui vient ici, elle entre à la maison, elle dort avec nous, elle mange avec nous, elle fait tout avec nous. Elle est avec nous matin, midi, soir. Quand Flore est à Paris, c'est ici à la maison qu'elle dort. Quand je veux faire n'importe quoi, j'appelle Flore. Quand je veux faire n'importe quoi, je dis à Flore, ma fille, tu vois comment? Tu vois comment? Ça se passe comment? Donc, ce n'est pas Flore de m'amener sur les réseaux sociaux. Et elle sait que je ne supporte pas ça. J'ai horreur de ça. J'ai horreur. Parce que pour moi, j'estime que ce n'est pas le tribunal. Je pose toujours la question, vous qui êtes en train de parler, qui êtes toujours là pour activer? Qui de vous peut prendre son beau-frère, faire arrêter et demander qu'on l'envoie en prison? Qui de vous? C'est très beau de voir les problèmes des gens et dire oui, oh, malhonnête, oh, il a fait ceci, oh, faites cela, oh, faites ceci. Faites cela. Je veux encore vous dire une chose en France. Beaucoup de gens me traitent tous les jours voleur de carte bleue. Je n'ai jamais fait ce business en France. En Europe, tous ceux qui me connaissent savent, mes amis intimes savent que ce n'est pas le business d'amour. Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai pas. Parce que ce n'est pas un business en Europe. C'est le dernier. C'est pour les débutants. Ceux qui
sur le voleur de carte bleue. C'est eux leur business. Parce que c'est le business de 20 euros, 30 euros. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça en Europe. Et je ne l'ai jamais fait. Je ne le ferai jamais. Même l'affaire qu'on dit qu'on avait arrêté un Vendomartin en Belgique, là, à la frontière, ça n'a jamais été moi. Au départ, Jaguar dit non, on peut voir l'avocat, il faut qu'on porte plainte. J'ai même appelé, il est sorti au départ, que c'est quand même.be qui a mis les conneries comme ça. Et vous savez que quand on met un mot de vendeur, ça sort que c'est moi. Quand vous voulez mettre, mettez tous les éléments. Mettez tous les éléments. Ne mettez pas seulement Vendomartin et puis ça devient tout Facebook, partout sur Google, on tape, on dit qu'à mon volet de carte bleue, je ne l'ai jamais fait. Et je ne le ferai jamais, renseignez-vous. Et en France, depuis que je suis en France, je ne suis jamais entré dans un restaurant, j'ai pris le crédit. Renseignez-vous. Même Céline Ladouane, qui est ma personne comme ça, elle connaît, même dans son restaurant, je ne prends pas. Si je n'ai pas l'argent pour payer, je ne bois pas, je dors chez moi. Je ne prends jamais le crédit dans un restaurant. Jamais. Donc, quand vous parlez, il faut connaître la personne. Il ne faut pas parler des gens que vous ne connaissez pas. Parfois, on laisse les gens dire ce qu'ils veulent parce que c'est les réseaux sociaux. On suppose que les gens ont besoin de se défouler. Les gens ont besoin de ça pour savoir qu'ils existent. Je ne vous dis pas ce qu'ils font. Je ne dis pas. Si vous voulez, vous me payez, je vous apprends. Vous êtes malade. Si Flo craque, elle a craqué. Comment tu craques alors que tu as causé avec ton père à 22h? Hmm? Tu causes avec lui à 22h. C'est toi qui lui dis qu'il ne faut pas que quelqu'un entende. Hein? Et le matin, il se réveille. On le réveille que tu es en train de parler de ça sur Facebook. Vous voulez que je me prenne comment? Que j'applaudisse. Flo, tu as bien fait? Elle n'a pas bien fait. Je vous le dis. Elle a raison de revendiquer son argent comme tous les autres membres, mais elle n'a pas bien fait. N'encouragez pas n'importe quoi. Vous comprenez? Il y a des choses qui se règlent en famille. Je vous ai dit, si le sang de la langue, on verse pour sol, on avale. On avale. Je vous ai dit que j'ai eu l'occasion 1 milliard de fois de venir me placer sur les réseaux sociaux pour Flore. Mais je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait parce que je respecte ce qu'il y a entre nous. Je respecte. Quand Flore se perd, elle se déshabille nue. Elle me montre, président, voici ce que j'ai. Voici les problèmes. Hein? Et j'ai toujours pris Flore comme un enfant de la maison. Et je dis toujours à toutes ces filles qui sont entrées ici chez moi, qui dorment chez moi, que je ne vous vois pas comme des femmes, je vous vois comme mes enfants. Elles le savent. Flore le sait, elle sait, elle connaît ma moralité. Je ne la vois pas comme une femme. Et je lui dis tous les jours, je te vois comme ma fille. Comme ma fille. Elle m'a jamais, Flore ne m'a jamais appelé pour m'exposer un problème. Je n'ai pas résolu. Elle est là, demandez-lui, elle vous dira. Elle ne m'a jamais appelé pour un problème. Quand Flore a un problème, je ne dors pas. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux avec les faux profils, en train de dire du n'importe quoi, quand elle a ce problème, c'est moi qu'elle appelle. Elle m'appelle, mon père, il y a tel problème, il y a ceci, il y a cela. Et je me lève. Je me lève. Donc ne l'encouragez pas à faire que dès qu'elle a n'importe quoi avec quelqu'un, vient sur les réseaux sociaux. Non. Vous encouragez les gens dans le faux. C'est encourager la bêtise. Parce que les liens ne vont plus exister. L'amitié n'existe plus. La famille n'existe plus à cause de ce comportement. Et vous êtes les instigateurs de cela. Oui. Toi d'abord, je te bloque. Voilà. Parce que depuis, je vous ai trop laissé. Voilà. Non, c'est ça. Vous êtes toujours en train de chercher à ce que les gens s'entretuent, les gens font la guerre, les gens font du n'importe quoi. Et c'est pas normal. C'est pas normal. On ne peut pas vivre tout un pays, on ne vit que de la haine. Parce que vous, vous encouragez cette haine. Vous encouragez. Dites la vérité à Flore. Dites à Flore que c'est un problème de famille. Tu devais le gérer avec ton père comme tous les autres membres qui ne sont même pas mes gens comme Flore ont géré. Tous les autres membres, ils ne sont pas de ma maison. Ils ne me connaissent pas. Mais ils savent tout ce qui se passe. Et ils ont vu comment j'ai fait les mains et les pieds au Cameroun. Ils ont vu. Ce n'était pas mon problème. Bobby a voulu me faire... Il m'a lancé un défi. Il a dit que je ne peux rien lui faire au Cameroun.
Il a oublié que moi, je l'ai enlevé de cellule au moins 3 fois au Cameroun, avant qu'il ne vienne même en Europe. Je fais les mains et les pieds, je dis que c'est mon beau-frère. Je ne peux pas mentir sur lui. Sa sœur, c'est ma femme. Elle connaît ce que j'ai fait pour Bobby. Mes immeubles que vous voyez partout au pays-là. C'est Bobby qui partait, fait tout. J'envoyais l'argent, Bobby, dépôt en banque. Fais ceci, fais cela. C'est Bobby. C'est lui qui était mon bras droit. Quand j'ai dit à ma mère que je vais faire arrêter Bobby, on était au salon. Il y avait la mère de Bobby, il y avait ma mère. Jago était là. Jago était en larmes. Sa mère, la mère de Bobby, m'a dit que Bobby, c'est ton fils, Amon. Tu ne peux pas le faire arrêter. J'ai dit, maman, il a pris l'argent des gens. Ce n'est pas à moi de rembourser. Ce n'est pas à moi. Il va rembourser cet argent. Sa mère m'a dit, chez nous, ça ne se passe pas. Chez nous, il y a la tradition. J'ai dit que moi, je suis bêtis. Je ne connais pas comment ça se passe dans vos traditions à l'Ouest. Chez nous, quand quelqu'un fait mal, je le mets de côté. Et s'il faut agir, j'agis. C'est comme ça. Même ma propre mère, quand elle dégame, je fais 1 mois, 2 mois, je ne lui parle pas. Ma propre mère, elle le sait. Même mes propres soeurs, si tu fais quelque chose qui n'est pas conforme, tu n'es pas dans les normes de la vie avec les gens en société. Je ne suis pas avec toi. Tous ceux qui me connaissent, qui vivent avec moi, le savent. Ils le savent, même ici, au 17e où je suis tous les jours. Quand tu te comportes bizarrement, je ne te dis rien, je ne t'insulte pas, je ne t'engueule pas, je te bloque tout court et je ne te parle plus, je reste calme. C'est comme ça que je suis. Donc Bobby allait un peu loin, il fallait que je le fasse. Il fallait que je le fasse. Et Flore n'avait pas besoin de venir sur les réseaux sociaux. Il y a des gens à qui j'ai parlé de cette histoire. Je leur ai expliqué. Les gens connaissent cette situation. Elles connaissent. Et Flore, qui est la plus concernée, qui connaît tout, si elle ne connaissait pas au moins, j'allais dire que oui. Flore n'était informée de rien. Elle ne connaît rien. Elle ne connaît rien. Mais Flore connaissait tout. Est-ce qu'elle a besoin de ça? Elle a besoin de venir livrer les gens à la vindicte populaire sur les réseaux sociaux, juste par compassion, pour que les gens commencent peut-être à cotiser ou bien à donner ceci. Non, elle n'a pas besoin de ça. Quand elle a besoin, elle m'appelle, je suis son père. Et quand il y a un problème comme celui-ci, je ne peux pas rembourser parce que c'est une tontine. Ils ont fait une tontine, quelqu'un a pris l'argent, il a pris les engagements. Pourquoi vous dites que Amo doit rembourser? Donc je ramasse l'argent pour donner aux gens. Les malades ou quoi? Donc moi, je dois aller cueillir, je viens en baignoire comme ça pour donner l'argent gratuitement. Quelqu'un vient porter l'argent des gens, je commence à rembourser. Vous trouvez ça normal? Vous pouvez le faire. Je peux le faire si je veux, mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Au début même, j'ai même voulu m'engager. Mais après, j'ai compris que je le fais pourquoi? Parce que si je le fais, c'est l'encourager. Si je le fais, et qu'est-ce que quand mon petit frère fera, je vais faire? Quand ma tante fera, qu'est-ce que je ferai? Toujours la même chose, non? Et quand il y a un problème, on dit la vérité. On dit la vérité. Flore, on l'a exclu du groupe. Lui, elle m'a appelé. Après, j'ai appelé Jaguar. Jaguar m'a dit, il n'y a pas de problème, on est en train de gérer. Flore et Jaguar, que vous sortez vos bouches, vous parlez aujourd'hui. En un an, elles ont les problèmes de femmes combien de fois? Vous avez déjà suivi ça sur la toile? Pourquoi tout le temps, quand elles ont les problèmes entre elles, elles m'appellent, je résous? Elle ne vous a pas dit que la dernière fois, il n'y a même pas 3 mois, ici, Jaguar pleurait devant tout le monde. Parce que j'ai pris le côté de Flore. J'ai commencé à gronder Jaguar. Il y avait plein de gens ici au salon. Tout le monde s'est fâché. Les gens sont venus me voir que non, Président, ne fais pas ça. Elle est enceinte. Jaguar était en train de pleurer. Parce que j'ai pris le côté de Flore. Ça, Flore ne peut pas vous dire. Elle ne peut pas vous dire que le monsieur, là, quand il y a n'importe quoi, il me soutient. Il me soutient. Elle parle d'argent. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Elle devait au moins me dire, bon, mon père, là, je suis vraiment à bout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et en plus, pour elle, c'est une affaire récente par rapport aux autres. Elle est récente. Elle devait bouffer en décembre. Elle est récente.
Apparemment, elle a eu 4 000 euros sur ses 11 000. S'il restait 7 000, hein? Et j'ai dit, faites-la bouffer en premier, en attendant que Bobby lui rembourse son argent. Elles n'ont pas marché comme ils voulaient. Moi, quoi dedans? Moi, je suis quoi dans ça? Franchement, je suis quoi? Je suis quoi? Vous dites que je dois la consoler. Je console une personne qui m'amène sur les réseaux sociaux. Mais vous parlez même de quoi? Je console une personne qui m'amène sur les réseaux sociaux. Essayez souvent de vous placer à la place des autres. Placez-vous souvent à la place des autres. Je vous ai posé une question. Est-ce que moi, je n'ai pas eu l'occasion d'amener Flo ici sur les réseaux sociaux? Je n'ai pas eu l'occasion, j'ai eu cette occasion à plusieurs reprises, je vous le dis aujourd'hui, mais je n'ai jamais voulu parler parce que je considère que c'est ma fille. Je n'ai jamais voulu parler. Même si je suis milliardaire ou bien j'ai le milliard, je ne suis pas là pour rembourser les dettes des gens. Mon argent, c'est mon argent, ce n'est pas pour payer les dettes des gens. Je paye mes dettes. Si j'ai les dettes, je les paye. Quand je suis bloqué, je sais à qui je demande. Je ne dois pas être là pour rembourser les dettes des gens. Donc, arrêtez vos conneries. Attendez, je vous donne un numéro pour ceux qui veulent appeler. Prenez le numéro 0033. 0033 758 758 244 244 227 227, voilà. Appelez sur WhatsApp, c'est mieux. Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Oui. Je suis en live. Oui, vous êtes en live. Ok. Ce que je dis par rapport au problème, c'est que j'ai suivi ça de bout en bout. Depuis le matin. Ouais. D'abord, vous ne faites pas partie de cette réunion. Donc, vous dites, l'hypothèse que vous allez rembourser n'existe pas. Ouais. Ça n'existe pas. Ça ne devrait même pas d'abord exister. Parce que si vous remboursez ça, vous aurez un problème avec nous. Quand les gens s'engagent en une réunion qui est semblable à une association rigide des textes, si c'est Madame Amod qui est présidente, les secrétaires et tous ceux qui vont avec, s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel et c'est parce que tous les membres du bureau ont accepté. Parce que quand il y a opposition dans une association pour secrétaire ou trésorier, on passe au vote. Donc, vraiment, certaines personnes qui cherchent à s'arrêter de parler. Vraiment. Pour dire que c'est elle la présidente, l'autre c'est la secrétaire. On n'oblige personne à adhérer à une réunion. On n'oblige aucun membre. On ne dit pas toi, c'est le secrétaire ou toi, c'est le trésorier pour rien. Passe par vote, on peut proposer, et si les gens ne sont pas d'accord, on passe au vote, c'est terminé. Donc déjà, c'est pas. Et les gens qui disent que quand on est président dans une association, on assume, non, quand elle est légalisée, il y a des lois qui sera présidente, comment on vote la présidente, pendant combien de temps et tout ce qui va avec. Bon, maintenant que Flo soit venu sur les réseaux sociaux avec, c'est son choix. Elle a fait, mais bon. Elle aurait dû être, vu votre conversation, dire la version que nous avons. N'appelez pas, attendez, il finit de parler. Attendez, il finit et vous appelez. Voilà, vas-y. Et quand il y a un problème d'une association, vu qu'elle est, elle est de manière légale et tout ce qui va avec, il y a une justice. Et vous avez fait de votre mieux, déjà, d'interpeller le frère, de faire ce qui, tout ce qui va avec. Et ça, aucun membre de l'association n'a donné un 5 francs. Vous l'avez fait. Aujourd'hui, c'est au tribunal ou c'est au parquet ou c'est devant le procureur. Mais c'est la seule route que ceux qui s'engagent des associations savent que voilà le seul chemin qu'ils vont devoir suivre.
quand il y a un problème. Et pourquoi l'association devrait s'arrêter si quelqu'un est escroqué? Non, 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 non. Et que les gens qui parlent de bloquer, Flore a été bloqué dans le nouveau. Mais dans l'ancien groupe, où il y a le problème qui est battu, elle est. Donc il faut déjà que les gens sachent faire le distinguo à ce niveau-là. Donc pour moi, je dis. Et votre femme et le beau-frère et tout, c'est pour ça que vous remboursez. Et votre argent, les gens ont des problèmes. Même quand on vole au pays, pour bien ne rembourse pas pour les ministres. Alors que c'est lui qui a nommé ces ministres. C'est pas lui qui rembourse. Je vais rembourser d'abord par rapport à quoi? Quand vous êtes écrit, donc quand vous êtes écrit ou jaloux dans votre vie, vraiment ne profitez pas du petit torrent pour chier. Président Amon n'a rien à y voir. Ça, comme ailleurs. Depuis, il y a eu un souci, quelqu'un qui a détourné, malheureusement, c'est le fait. Une plainte, et ça suit son cours. Vous allez faire quoi? On ne peut rien faire. Ça suit son cours, accepter. Ce n'est pas pour avoir la main au parquet, c'est la moindre des choses. Mais que les 3 millions qu'il a apportés, traînés, c'est bon. Que les gens arrêtent d'appeler, arrêtez d'appeler, attendez, finis. Donc, moi, je crois que c'est ce que j'avais à dire. Il faut un peu que les gens arrêtent de vouloir salir les autres. Il y a une réunion, il y a des lois, il y a tout ce qui va avec. Et il m'a amené sur les réseaux sociaux. Comment je veux dire, le trésorier peut également porter plainte. Hein. Il m'a les gens appellent trop. Activer tout ce qui va avec. Après, il peut aussi poser sa plainte. Non, merci, c'est ce que j'avais à dire. D'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je prends une autre personne. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Amot. Ouais. Oui, voilà. Je veux intervenir par rapport à cette histoire avec Fleur. Voilà, moi ce que je peux dire, j'ai suivi vos directs, hein. Ouais. C'est de Fleur, elle avait raison, mais elle, le fait de ramener, parce que quand tu dis quelqu'un à ton papa, franchement, moi je pense que c'est des choses qui devaient se rester en interne. C'est pourquoi je la condamne et les gens ne comprennent pas. Les gens qui viennent quand tu viens clamer quelque chose sur les réseaux sociaux, les gens automatiquement, ils sont là, c'est des gens qui attendent depuis. Les gens attendent depuis que ça pète. Donc pour eux, ils sont là tous les jours, ils prient pour que les gens aient des problèmes. Donc en amenant ça déjà, c'est une manière de livrer ton papa. Moi je pense que, je ne sais pas qu'est-ce qui a pris Fleur, mais elle ne devait pas ramener ça sur les réseaux sociaux. Non, elle n'a pas pensé à moi. Elle a pensé qu'à elle. Hein, parce que la dame est enceinte. Le monsieur c'est ton papa, tu vois. Quand on appelle quelqu'un un papa, quelqu'un avec qui on passe du bon temps, on mange ensemble, on fait tout, on ne peut pas. C'est comme si on ramène sa famille sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Donc, moi, je pense qu'elle a mal fait, mais il faut la pardonner. Dans la vie, l'erreur humaine. Et je pense qu'aujourd'hui, même elle, je pense qu'elle regrette. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui lui est passé par exemple dans la nuit. Je ne sais pas si c'est l'angoisse ou peut-être que c'est du fait d'avoir... Peut-être qu'elle a des problèmes aussi. Et comme vous l'avez si bien dit, si elle avait des problèmes, elle devait venir même revenir vous voir encore. Vous dites que là, je suis à bout. Vous voyez? Mais elle ne devait pas le faire. Mais vraiment, pardonnez-la. Pardonnez-la, je sais que ça ne va pas être facile, ça va être compliqué. Mais, et aussi, dites à votre femme d'être forte parce que c'est une femme enceinte. Et elle traverse tout ça aujourd'hui, les réseaux sociaux, les gens prennent ça pour faire des règlements de compte. C'est pour ça que je l'ai épargnée de tout ça. Je lui ai dit de ne pas parler, de ne rien dire, non, puisque c'est une femme à thème. Et Flore connaît sa situation mieux que tout le monde. Donc, elle n'avait pas besoin de tout ça. Voilà. Et moi, les gens qui ramènent les problèmes sur les réseaux sociaux, franchement, non, c'est pas ils bon. Me sortent c'est de pas partout. Bon. C'est pas bon, vous avez. Elle avait raison, elle avait des problèmes. C'est une histoire de tontine. Mais quand c'est ta personne, que tu dis c'est ton papa, vraiment, moi, je la condamne pas, mais elle ne devait pas ramener sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment, de grâce. Et les gens qui mettent les commentaires aussi, là, qui mettent les commentaires, moi, depuis, je suis dans le direct, hein. Je fais que de mettre des mots pour dire aux gens, ne mettez pas les commentaires méchants et arrêtez d'attiser la haine. Hein, parce que derrière les réseaux sociaux... Non, mais il faut savoir qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui se nourrissent de la haine. Donc, il ne faut pas les en vouloir. Derrière les réseaux sociaux se trouvent des êtres humains. C'est que les gens doivent comprendre.
Flor, c'est sa famille, elle a pas passé un moment. On peut pas. Parce que les gens qui sont là aujourd'hui, là, qui viennent commenter, là, qui mettent les trucs, quand Flor a des problèmes, on les voit pas. Hein. On les voit pas. Donc vraiment, je vous en supplie, les gens qui mettent les commentaires, arrêtez d'insulter ce couple-là. Parce que si vous avez du respect pour Flor, respectez cette famille. S'il vous plaît. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci, madame. Je vous en prie. Allô? Allô, oui, bonsoir, Président. Bonsoir. Merci de me prendre au téléphone. Oui, allô? Oui, allô? Oui, Président, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous ai suivi en direct, là. Et je vais intervenir juste parce que je sais, Flo vous appelle son père, comme vous le dites si bien. En vous entendant parler, c'est pas au hasard que vous appelle son papa. Parce que vous parlez avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence. Donc si je prends la peine d'appeler ce soir, c'est juste pour vous demander de pouvoir écouter ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. À la base, elle avait raison, Flore, de demander ses sous. Mais du simple fait qu'elle vous ait ramené sur les réseaux sociaux, elle paie, peut-être ses droits, pas ses droits, mais elle a très mal fait, au fait. Et les gens qui viennent activer la haine, je ne sais pas ce qu'ils gagnent en faisant ça, mais je vous le demande, je ne la connais même pas. Je sais que vous êtes des compatriotes camerounais tous les deux. Juste d'apaiser la tension qui est entre Flor et votre femme, parce que les autres, je ne les connais pas. Et s'il vous plaît, essayez de comprendre. Ce n'est pas facile de pardonner. Parce que venir parler sur la toile, ça fait que les gens vous vilipendent, ça permet de vous dire n'importe quoi, de vous traiter ce que vous n'êtes pas. Ça fait mal au cœur, je comprends ça. Mais j'appelais juste pour vous demander, avec du recul, essayez de pardonner. Parce que les gens, avoir des relations comme ça, dans un pays comme le nôtre ici, comme notre pays d'adoption, c'est pas évident. Il n'y a pas l'amitié en France. Donc il y en a qui n'aiment pas voir les gens ensemble. Donc j'appelais juste pour vous dire, vous avez raison. Et un homme intelligent, parce que nos parents sont pleins de sagesse. Merci. De vous apaiser, Président. C'est ce que j'avais à vous demander au nom de votre femme, et essayer de vous calmer, d'apaiser ça. Merci bien. Merci beaucoup. Et bonne soirée à vous. Merci. Allô? Oui, allô, bonjour, Président. Allô? Allô? Oui? Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui? Oui, excusez-moi, je suis dans le direct de M. Amos. Vous êtes dans le direct, madame. Oui. Je vous en prie, c'était juste pour donner ma petite idée dans... Allez-y, on vous écoute. ...de la vidéo de Flor de ce matin. Mmh. En effet, j'ai suivi Flor depuis ce matin et j'étais vraiment tout en larmes. J'ai eu une très, très mauvaise journée. Et à l'écouter, vraiment, cette dame a mal. Et nul ne sait quelle situation elle traverse en ce moment. Je suis camerounaise et croyez-moi, quand on fait une réunion, on a quand on fait une réunion, on a un programme préétabli par rapport à cette réunion. Mmh. On va parfois même jusqu'à peut-être prendre l'argent quelque part pour résoudre un problème urgent en attendant bouffer une tontine pour rembourser. Donc pour ceux qui disent que Flor n'a pas raison de parler sur les réseaux sociaux, Flor, c'est pas aujourd'hui qu'elle est sur les réseaux sociaux. Je peux dire sa vie, c'est sur les réseaux sociaux. Votre vie même, parce que moi, je vous ai connu via les vidéos de Flor. Et à lire les commentaires que les gens écrivaient sur vous, j'ai failli y croire à un moment, mais c'est Flor qui vous a défendu. Non, non, elle n'a pas besoin de venir me défendre sur la toile. On ne parle pas de... Non. Non, je dis non, ramenez déjà sur la toile. Pour défendre après, ça ne vaut pas la peine. On ne ramène pas sa personne sur la toile. Je vous en prie, Président Amos. Je dis, un de vous doit être pas
ramener sur la toile, mais les gens parlaient de vous sur la toile et c'est elle qui vous défendait. Elle a toujours dit non, c'est mon père, nanani, nanana. Il y a une dame qui se plaignait autrefois pour une histoire d'anarque et tout. C'est Flo qui nous a dit, mais attendez, c'est mon papa. Le président Kamor, c'est mon papa. Je sais de quoi je parle. Il ne peut pas faire ça. Rassurez-vous, vous avez ma parole, il ne peut pas faire ça. Et c'est comme ça que cette histoire s'est éteinte. Mais aujourd'hui, que nous, ces abeilles, nous revenons voir notre reine mère pleurer comme ça, sincèrement. Quel que soit ce qui s'est passé, vous êtes son papa. Faites l'effort de rembourser son argent. Faites l'effort de rembourser son argent, vraiment. Même si l'amitié là va s'arrêter là-bas, mais rembourser son argent, parce que nous tous, nous connaissons ce qu'elle traverse. Mais quand vous dites rembourser, quand vous dites rembourser son argent, qui doit lui rembourser? Votre épouse rembourse son argent. Mais là, vous parlez bien. Quand vous dites rembourser, il y a une procédure judiciaire en cours. Celui qui a fui avec l'argent a été arrêté. Il a décidé de payer. Vous dites de rembourser encore comment? En attendant, je sors l'argent de ma poche, je lui donne. Vous êtes son papa, vous pouvez le faire. Non, je ne le ferai pas parce qu'elle a ramené sur les réseaux sociaux. Je ne le ferai pas et je ne le ferai jamais. J'ai dit, je ne le ferai pas. Voilà, c'est tout. Ok. En tout cas, là, c'était ma partie. D'accord, merci beaucoup. Bonne soirée à vous, madame. Merci. Allô? 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 Oui, bonsoir. Président. Ouais. Oui, j'ai été l'une des premières à commenter sur cette histoire. Mm-hmm. Mais vraiment, tel que je vous vois sage, et la manière dont vous gérez votre famille, et la manière dont Flore même nous montre l'amour qu'elle a pour vous, franchement, considérez qu'elle a craqué et pardonnez le fait qu'elle vous a amené sur Facebook. Parce qu'elle vous a toujours défendu, elle vous a toujours protégé, si bien que même quand vous croyez à vos ennemis, elle nous détourne en fait. Donc franchement, ne jetez pas cette relation dans l'eau. Je sais que vous êtes capable de régler ce problème, de la calmer. Ne dites pas que vous n'allez plus jamais lui parler. Non, j'ai plus besoin. Moi, j'ai pas. Et Flo connaît comment je suis. Elle sait que je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas. Pardon. Et elle le sait mieux que quiconque. Mieux je que quiconque. Pas. Il y a eu combien de problèmes? Il y a eu combien de problèmes ici sur la toile? Que pour le simple fait que quelqu'un a prononcé mon nom sur les réseaux sociaux, j'ai dit que je ne parlerai plus et je ne parle plus jamais. Je ne parle plus. Oui. Même si oui, tu es ma propre mère, tu m'amènes sur les réseaux sociaux, je ne parle plus avec toi. Non. Vraiment. Parce qu'on connaît comment les réseaux sociaux fonctionnent. Quand il y a un problème, chacun prend à sa guise, chacun fait ce qu'il veut. Et je ne suis pas d'accord. En même temps, c'est des personnes qui sont derrière. On a de l'intelligence pour comprendre ce qui se passe. Donc, puisque sur les réseaux sociaux, ça a été pris que si c'est Bobby, c'est Amout. Donc, il n'y a plus rien à faire. Moi, quoi encore dedans? J'ai déjà été sali. C'était le but. Et je m'en fous. Non, mais j'ai été sali. J'ai été sali. Mon nom a été vilipendé partout. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Mon nom était vilipendé. Moi, je me suis mis toute ma belle famille à dos pour cette histoire. J'ai pris Bobby, j'ai fait arrêter Bobby. Je demande si elle pouvait le faire avec son beau-frère. Là n'est même pas le problème. Le problème, c'est vraiment le problème d'argent, là. Franchement, ce n'est même pas la peine d'arrêter Bobby parce que l'argent ne va pas sortir. Non, ça va sortir puisque Bobby a d'abord donné 3 millions l'autre jour. Hein? Donc c'est mieux encore qu'on le laisse travailler pour en donner. Il a donné 3 millions et Flo le sait, elle sait tout. Elle sait tout. Mais papa, je dis, j'ai eu ma maman ici en France malade, diabète là. Elle a craqué. C'est pardon. Je crois qu'elle n'a même pas craqué parce que, Amot, elle a craqué parce qu'elle a vu qu'on l'a bloqué. Non, l'affaire de blocage, madame, il ne faut pas que Flo dise n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Flo a parlé cette affaire de blocage avant-hier, n'est-ce pas? Mais hier, Flo était dans le groupe de l'association. On m'envoyait toutes les captures d'écran.
Hier, elle était dans le groupe de l'association. J'ai dit hier, pas avant-hier. Après le direct, je vais tout publier. Elle était dans le groupe de l'association. Donc, ce matin, qu'elle vienne, parce que quand elle m'a expliqué, j'ai appelé Jaguar, je lui ai dit, c'est pas normal. Je lui ai dit, c'est pas normal. Hein? Donc, il faudrait pas... Oui, bon, demandez à Flo, est-ce que hier, elle n'était pas dans le groupe avec les autres? Est-ce qu'elle n'a pas intervenu dans le groupe? Voilà. Donc... Elle a dit que c'est grâce à vous qu'on l'a débloqué. Parce qu'elle vous a dit que vous n'étiez pas au courant. Pourquoi je dois toujours... Parce que c'est ma fille. Je prends toujours ses problèmes sur moi. Donc, elle ne doit pas me ramener sur les réseaux sociaux. Nous le savons tous. Nous le savons tous. Et puis, on admire tellement cette relation. Parce que de toutes les façons, de toutes les façons, qu'elle vous massait les pieds, comment on essaie de monter, dire qu'elle est ceci, elle est cela pour casser. Madame, écoutez-moi, je suis un homme, j'ai des principes et des valeurs. Je n'ai plus rien à parler là-dessus. Quand on m'amène déjà sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de retour. Ok, bonne soirée, madame. Ouais. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je ne sais pas si je suis en direct là, sans votre... Vous êtes en direct, monsieur. Oui, nous sommes vraiment tous les Camerounais, nous sommes dehors pour chercher. Si aujourd'hui c'est arrivé à Flore, ça pourrait arriver à n'importe qui. Nous devons le plus souvent dire des choses, ils vont venir faire le théâtre pour amuser. On parle d'affaires d'argent, et chacun est dehors, ça c'est d'abord mon hiver. Et chacun est dehors pour se battre et chercher si son peu. Est-ce que c'est d'abord normal? C'est normal que la présidente soit la présidente et la secrétaire, et où c'est le trésorier, soit les frères et sœurs? Comment on ne doit pas accuser cette famille? Comment on doit... Ça commence par là. La présidente est... Voilà la présidente. Le trésorier, c'est son petit frère. Mais ça, c'est de l'escroquerie. Dès la base, c'est de l'escroquerie. C'est vrai que vous, Amot, vous avez, dans tous les cas, on va n'importe où, on ne pourra pas détecter parce que vous n'êtes pas membre de la Réunion. Mais vous êtes une personne publique qu'on entend partout, président Amot, Jaguar Amot. Quand il y a un problème comme ça, là, vous deviez tout faire pour l'arranger. Ne pas accepter que ça puisse prendre tout le dehors comme c'est en train de prendre là. Hein? C'est quand même beaucoup d'argent pour un Camerounais. Donc en réalité, le problème aujourd'hui n'est plus que Flo a dit parce qu'on a mangé son argent. Même si elle a dit n'importe quoi, si on n'avait pas mangé son argent, elle n'aurait pas dit. Maintenant, il faut chercher comment faire pour régler le problème. Pour que ça s'arrête, même le direct que vous faites là, ça n'a pas sa place, ça ne fait qu'attiser. Il y a ceux qui vont supporter Flo, ceux qui vont te supporter. Comment vous pouvez dire que ce direct n'a pas sa place? Il fallait que j'apporte des éléments de réponse, puisque tous ceux qui sont sur... Monsieur, vous ne me dites pas non. Tous ceux qui sont là, sur la toile prennent les choses telles qu'ils voient et telles que la première version est donnée. Donc vous pouvez pas... Parfois, il faut le laisser. C'est ça la grande... Non, vous n'appelez pas de laisser. On laisse passer, ce n'est pas vous qui êtes sali. C'est moi qui suis sali. OK? Donc, toujours dire laisser. On doit s'expliquer. OK. Voilà. OK. Maintenant que l'explication est passée, et quelle est la solution, donc? Puisque normalement, toi-même, tu n'es pas adhérent de cette association. Oui, mais je suis le père de Flore et je suis l'époux de Jaguar. Voilà, donc je suis au milieu d'elle. Et je connais toute la situation. C'est pour ça que j'ai essayé de gérer en interne. Pas exposé sur les réseaux sociaux. Voilà. Raison pour laquelle maintenant, en tant que père et époux, des deux, il faut juste les ramener à la raison, mais c'est que je sais... C'est ce qui a été fait. Et on s'est retrouvé sur la toile. Voilà. OK. Ce qui est maintenant sûr, c'est que avec l'attention, nous tous, on se connaît. Je suis Camerounais, nous tous là. On se connaît avec l'affaire d'argent, nous les Camerounais. C'est ça qui est en train de manger la tête de Flore. Donc, toi, de ton côté,
baisses ta colère, tu essaies juste de la ramener à la raison et que même tous ceux qui vont appeler ou c'est dans les choses de Flore essaient de lui dire aussi la même chose, que oui, tu as fait l'erreur, Flore, tu as déjà mis dehors. Voilà la position de Amos. Et quand Amos dit ça, rentre maintenant, il peut te demander les excuses. Vous essayez de voir dans tous les cas que ça soit réglé, pour qu'on ne soit plus affiché, nous les Camerounais, toujours dans les choses où on discute seulement l'argent, on discute. Ça ne nous fait pas honneur. Moi, j'en ai terminé, monsieur. Merci, Amos. Bonne soirée. Allô? Allô? Wow. Allô? Oui? Bonsoir. Bonsoir. Oui, Frédéric, je vous appelle parce que je vous écoute là. Mmh. Et déjà, ce n'est pas la moralité que je vous donne. En tant que, avec le respect que j'ai pour vous, je sais que c'est une question. Là, en tant que votre enfant, comme vous le dites si bien, c'est nous, quand on tape un enfant, c'est nous les Africains, quand on tape un enfant, on le laisse pas à la régie populaire. Donc, je pense que si elle a mal fait, vous aussi, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi faire aller dans le même sens qu'elle? Si c'est encore mieux pour vous de rester comme un père, de rester aussi tranquille. Non, non, vous ne pouvez pas dire ça, madame. Je suis salée. Vous connaissez comment ça fonctionne sur la toile. Et Flore, en amenant ça sur la toile, elle savait comment ça va se passer. Non, ne me dites pas. Vous êtes toujours en train de dire, reste calme, il faut rester calme. Non, non, il n'y a rien qui va changer, que vous soyez propre ou que vous soyez sale. Ceux qui ont déjà mis dans leur tête que vous êtes sale resteront avec ça, même si vous menez de bonnes actions. Et ceux qui mettent dans leur tête que vous êtes propre, et qu'en sorte, ce qui va arriver, ceux qui vous connaissent, vous connaissent. Dans la vie, on ne fait pas toujours ce qui est mauvais pour être bandé. Il y a des jours où vous êtes couché chez vous avec votre femme, pour peu que vous avez peut-être mis une musique, et comme vous êtes sur les réseaux sociaux, ça remonte certaines personnes, et ça fait qu'en ce moment-là, votre nom se retrouve partout. C'est pas parce que Flore a fait ça que vous deviez aussi comprendre. Une affaire d'argent, même si vous étiez son père biologique, ça pouvait être pareil. Ne croyez pas peut-être parce que vous êtes... un père, ou vous appelez père et enfant, simplement comme ça. La fête d'argent, ce n'est pas les familles. Ce n'est pas seulement parce que vous êtes à ce niveau d'amitié que vous croyez que peut-être elle. Ça, ce n'est pas les familles. Donc, président, un mot, s'il vous plaît, ne venez pas devant les gens et vous vous rabaissez davantage parce que vous êtes un grand homme. Et ceux qui vous aiment vont vous aimer. Ceux qui ne vous aiment pas, ce n'est pas à cause de ça qu'ils vont changer d'avis. Flore, elle a des problèmes et je pense que si, d'une manière ou d'une autre, par exemple, quelqu'un qui va en prison, il y a personne qui va en prison parce qu'il a volé de l'argent. Dès que vous acceptez que oui, je rembourse cet argent, je reconnais avoir pris cet argent, vous êtes en liberté. Est-ce que ça met des années, que ça met des mois, on vous laisse la liberté. Et pendant ce temps, ceux qui ont cotisé cet argent sont dans la peine. Vous qui avez mangé cet argent, vous n'êtes pas dans la peine. Vous avez fait quelque chose en ramenant votre beau-frère en prison. Mais ça ne va pas empêcher que vous soyez après en bon terme avec lui. Mais pourquoi Flore, pour elle, ça doit être aussi dû parce qu'elle vous a ramené sur les réseaux sociaux. Comprenez que ça peut être... il y a des choses qui arrivent à certaines personnes comme ça. Vous vous levez un matin, vous avez envie de tout casser, quoi. Vous avez envie de tout casser, tout vous énerve, en fait. Parce que vous... Bobby qui parle. On veut, donc je ne veux pas parler le
donné le rendez-vous, Georges. On vendait le terrain même depuis la première semaine de décembre. On est allé sur le notaire. Monsieur Boumbé Clément, c'est lui qui paye le terrain. C'est un industrialiste qui rapporte les aliments. Mais on avait un problème au niveau de la maïture. Le certificat d'attribution que on dit, le monsieur qui a vendu cela a tout donné les papiers. Maintenant, le certificat d'attribution n'avait jamais changé jusqu'à le décès. Maintenant, quand il veut vendre le terrain, il faut qu'il signe. Je ne parle pas de voir, je lui donnais jusqu'à 11 millions de francs. Il a tourné, mais là, je suis en train de vendre autre chose. Hors de terrain que je suis en train de résoudre ce problème parce que l'acheteur est toujours là posé. L'argent est posé. Parce que l'acheteur dit qu'il ne veut pas qu'il ait des problèmes sur le foncier. Parce que les Cameroun, il y a trop de problèmes qui a les doubles ventes. Mais là, je suis en train de vendre qu'un autre bien pour gérer, pour attirer. Maintenant, l'autre bien, maintenant, perd le temps. Je suis en train de trouver quelqu'un qui va me donner de l'argent d'abord pour que j'avance. Je suis en train de gérer cela à tous les niveaux. Plan A, plan B, plan C, plan D. Oui, mais Bobby, excuse-moi de te couper, hein. Tu veux un peu m'écouter un peu. Bobby, tu sais, depuis j'ai essayé de t'appeler aussi, j'ai pas pu t'avoir. Mais je vais te dire, actuellement là, ça a pris feu. Et ta sœur et le mari de ta sœur sont vraiment dans la merde. Moi, je vais te le dire. Je vais te le dire sincèrement, Bobby. Tout ça à cause de cette... Patrick. Oui. Patrick, ma soeur n'aura rien parce que je vais donner. Je t'explique. Non, ce n'est pas que tu ne vas pas donner, Bobby. Déjà, ça perd trop le temps. On est déjà très impatients. Mais ça a pris une autre tournure où les gens se sont levés. Ils ont commencé à mettre le nom de ta soeur dehors. Ce qu'on évitait depuis très longtemps. Tu sais très bien, comme moi. Je te pose une question. Papa, je ne veux pas entrer dans une vie privée. Comme vous avez dit depuis le départ. Je te pose une question. Je t'écoute, Bobby. Moi, si j'ai l'argent, ma soeur ne peut pas avoir les problèmes. Je suis en train de parler de maintenant. Là, on te parle de maintenant, Bobby. Il y a un sérieux problème là. Il y a un sérieux problème, Bobby. Je suis en train de répondre à Patrick. Je suis en train de chercher dans les moyens pour gérer ce problème là-bas. Quand tu m'appelles là, même la famille sont en train de voir cela. Comment quand je vais gérer cela? Mais aujourd'hui, on m'appelle peut-être exemple qu'on est en train d'exposer ma soeur. Je vais te poser une question. Hein? La personne qui expose ma soeur, ce n'est pas l'ami de ma soeur. Elle connaît mes problèmes. Ma soeur cause avec ma mère, elle connaît que je suis en train de résoudre. Je ne veux pas entrer dans les détails. Pas tu es un grand garçon ou bien Georges. Ce n'est pas l'ami de Georges. Bobby, s'il te plaît. Vos problèmes de famille, en fait, on n'est pas censé être au courant déjà. Hein? C'est une histoire. Laisse-moi te parler, s'il te plaît. C'est une histoire d'association. Et on est en train de résoudre ça en association. Tout ce qui se passe derrière dans votre famille, on n'est pas dans l'obligation d'être au courant. Voilà, je te réponds selon tes dires, Patrick, parce que tu es en train de parler avec un collègue, un mépris. Je dis non, j'assume. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, Bobby. Pas du tout. Patrick, voilà pourquoi je veux donc te répondre selon tes questions. Et je réponds juste selon tes questions parce que je ne veux donc pas que tu dis qu'on est exposé ci ou cela. Je m'en fiche de ce qui parle dans le monde entier. Je suis dans le réel. Je ne suis pas dans le virtuel ou bien qu'on va dire que c'est là parce que je ne vis pas le match du jour ou bien le pareil. Quand je dis que je vends. Bobby, tu ne comprends pas parfaitement. Bobby, j'ai l'impression que tu ne veux pas comprendre. Est-ce qu'on peut t'informer de la situation, Bobby? Est-ce qu'on peut t'informer de la situation, Bobby? J'ai l'impression que tu ignores complètement ce qui se passe en ce moment-là. Oui, mais nous, on a envie de t'informer de ça. Parce que toi, tu travailles, mais tu ne sais pas que nous, on joue avec le temps. C'est ça le problème. Toi, tu prends ton temps, mais nous, on a un sérieux problème en ce moment-là. On a un sérieux problème parce que ça a pris feu, même sur la toile, ça a pris feu déjà. Et ce n'est pas une histoire de Jaguar ou de président, c'est une histoire d'association dont tout le monde est impliqué, en fait, dans cette histoire-là. On met même ma parole en doute, le simple fait que je suis venu au Cameroun pour ce problème-là. Patrick, je te pose une question. Je t'écoute, Bobby. Ma parole, moi, je sais que tu es au Cameroun. Je sais que toi, tu es au Cameroun. Maintenant, quand il va commencer à gérer ce problème-là, ceux qui ont mis sur les yeux du monde, ils seront capables de retirer ça dans la tête des gens. Ils savent des conséquences aussi de ce qu'ils vont gérer. Parce que
j'ai dit et j'ai signé que je vais le faire. Même l'enquêteur m'a appelé. Puisque l'enquêteur dit que l'écriture part dehors, que cela, s'il y a quelqu'un de la Réunion qui part dehors, je ne connais pas qui que ce soit. La personne va aussi, après ce problème-là, est-ce qu'on peut retirer les paroles? On est en association, on doit causer dans le groupe. Tu as parlé de ce problème de l'association. Je suis en train de gérer ce problème en disant. Je te dis bien que tu as terminé les batteries en jeu. Et ça va aller même ce mois-ci. Mais je ne veux pas donner, ça va aller même demain, je ne veux pas donner un jour précis. Parce que quand je donne sa capote, je suis en train de tout faire. Et c'est ça le véritable problème, parce qu'on n'est pas sur place. Ça fait longtemps, Bobby, on attend toujours que ce soit résolu. Ça fait longtemps. Et quand je vais donner une avance, même une grosse somme, ils vont dire quoi maintenant? Ça va ressortir dans les bouches ce qu'ils ont dit. Ils vont encore aller dans les yeux du monde pour dire que non, Patrick a des raisons ou bien Georges. C'est ça la question. Je vais te poser une question aujourd'hui. Si je m'en vais aujourd'hui à Yaoundé, est-ce que tu penses que tu mets ma mère signée comme garant? Parce que je ne l'aime pas. Hein, Patrick? Parce que je ne l'aime pas. On ne peut pas faire quelque chose comme ça. Je viens d'arriver comme ça là-bas de la maison. J'étais dehors comme ça de la maison. Comme ça, je viens d'arriver, j'étais dehors pour gérer cette situation. Depuis le matin, je ne suis pas là. Bobby, cette histoire est en train. Est-ce qu'on peut parler aussi, Bobby? Est-ce qu'on peut donner les nouvelles de l'association? Parce que c'est toi celle qui parle là. Tu ne nous écoutes pas. Est-ce que tu sais que cette situation, Bobby, a affecté l'association dans tous ses sens? Non seulement on a perdu des adhérentes, il y a des gens qui n'ont pas cotisé à la fin de l'année, qui a mis certaines personnes en colère qu'aujourd'hui, ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Au point où il faut... Je vais en venir. Si je viens te parler ici, c'est pour savoir exactement à quel niveau tu es et quand est-ce que c'est possible de résoudre ce problème, ne serait-ce que soulager le cœur des gens, parce que ça devient de trop. On dit de n'importe quoi dehors et ce n'est plus bon. Nous, ça nous affecte aussi parce que nous, on est concernés. On est dans cette association. On reçoit des coups de fil de partout. Ça prend la toile. On est obligé de donner des explications de gauche à droite, alors que le problème, même la personne qui allait mettre ça sur les réseaux sociaux, sait très bien que on est derrière toi pour cet argent et on veut cet argent parce que c'est l'argent de l'association, c'est pas l'argent de la famille. Et nous, on a besoin, Bobby, que tu nous retournes ne serait-ce que ce que tu avais dit pour qu'on essaie d'apaiser le cœur des gens. J'ai résolu un problème à la fin de l'année. Attends, écoute-moi bien. J'ai résolu un problème à la fin de l'année parce que je ne voulais pas que ça prenne fin. J'ai dit non, on va calmer le cœur des gens. Bobby va nous donner cet argent coûte que coûte. Mais tout le monde n'est pas pareil. Ça a pris feu sur la toile et aujourd'hui, on se retrouve face à un problème vraiment sérieux. Si j'ai décidé d'être en conférence avec toi aujourd'hui, avec Georges, c'est pour qu'on essaie de trouver, que tu nous donnes, que tu nous dises exactement et que tu nous donnes des bonnes paroles, que tu dises exactement ce qu'il y a lieu de faire. Quand est-ce que tu peux nous donner cet argent? Parce que comme je t'ai dit, Bobby, je te le dis sincèrement, la suite, sans te mentir, ça va pas être trop bon. Parce que les gens sont vraiment à bout, les gens sont à blanc. J'essaie de calmer les gens n'importe comment. Mais les gens même qui ont patienté sont déjà à blanc. C'est pas parce qu'ils ne parlent pas. Moi, je te dis, les gens sont gonflés. Même Damaré qui t'appelle là, qui avait la certitude que ça allait marcher, Damaré commence à être gonflé au point, m'a dit, Pat, ça commence vraiment à me gonfler. Donc, pour que ça n'explose pas vraiment, parce que Bobby, je ne te mens pas, si ça explose, ça va vraiment faire mal. Pour que ça explose pas, c'est mieux que tu fais tout ce qui est à ton possible. Si tu veux, si tu as des problèmes et que tu n'arrives pas dans ce terrain, on peut t'envoyer des gens pour ce terrain-là. Il y a des procédures, Bobby. Et on peut t'envoyer, même si ça, tu hypothèques le terrain-là et tu résous le problème avec la personne après au Cameroun, mais il faut que tu arranges d'abord ce qui se passe ici. Parce que ça met beaucoup de personnes dans la merde. Il y a des gens qui n'arrivent plus à supporter. Nous, on est les garçons, hein. On supporte parce qu'on comprend. Mais tu sais comment la femme réagit. Et toutes ces filles-là sont gonflées à bloc. Elles ne sont plus prêtes à patienter. Elles veulent l'argent. On a perdu beaucoup de membres. Et le peu qui est là, on a besoin de conserver ces membres-là. Parce que tout est retombé sur Jaguar et c'est même affecté à moi. Maintenant, on ne parle que de ça sur la toile. Je suis en train de gérer pour elle. Je suis en train de faire cela parce que c'est elle qui est au départ. Les autres ne sont pas dans cette, comme tu as dit, dans cette association.
personnes ne sont pas dedans. Parlons dans ce cadre-là, comme tu as parlé tout à l'heure. D'autres, je m'en fiche des autres. Parce que si je vais entrer dans ce, dans d'autres choses, même que Internet, machin, c'est que, sincèrement, c'est que ça, ça serait la catastrophe. Mais comme je suis un grand, je t'ai dit, Patrick, tu es venu, tu m'as vu, non? Tu m'as salué à une grande, comme une grande personne réfléchie. Et jusqu'à aujourd'hui, je te respecte tout cela. Et Georges, qui me connaît, je dis bien, je suis en train de gérer ce problème-là. Donc, t'inquiète, allô? Oui, oui, on t'écoute. Hein. Je suis en train de gérer ce problème. C'est rien que les deux là, hein, que ça me dérange. Mais et mon problème, c'est que ce problème des autres là, ça c'est après, quand il veut finir tout cela. Ça c'est après que je vais arriver sur ce cas-là. Parce que ça ne sert à rien de se mettre aux yeux du monde, d'exposer des personnes comme vous, qui sont des personnes qui ont du cœur, qui ne sont pas méchants, qui sont des personnes que je ne peux pas juger parce que vous n'avez jamais rien fait du mal à quelqu'un. Je vous connais, je connais personnellement Georges. Mais je m'en fiche si c'est d'autres personnes. Mais elle, lui, ça me dérange. Parce que si elle est comme elle est là, je peux dire que moi, en tant que son frère, je ne peux pas vouloir son mal ou bien vouloir le mal. C'est tout ce qu'il peut dire. Dans sachant que toi, il partait des personnes dire, des personnes qui ne sont pas, et d'autres personnes, je les juge pas. Après cela, que je vais retourner maintenant sur ça pour voir s'il y a une vidéo où il y a ceci, on a dit où on a dit cela, ils vont me répondre. Maintenant, ils vont les demander de répondre. Parce qu'ils ne veulent pas entrer dans cette vague-là. Parce que si je pars dans cette vague-là, les personnes comme vous, là, comme ça, là, vous seriez affectés. Mais comme j'ai accepté, on ne met pas les trucs des familles, ma femme, j'ai accepté au nom de Dieu, parce que je ne parle pas avec. Parce que moi, je suis quelqu'un que je marche dans la vérité. Donc, j'ai accepté. Et j'observe, je suis quelqu'un qui prend le temps d'observer et qui se bat. Je ne peux pas te dire aujourd'hui que je vais faire cela et je ne le fais pas. Si ça ne t'attrape, c'est parce que le programme a changé. Mais par la grâce de Dieu, tout est en train de se mettre en place. Tout ça, c'est Dieu. Je remets entre ses mains parce que toute cette humiliation, toutes ces choses-là, tout ceci, toutes ces choses-là qui retombent aux gens qui sont autour de moi. Hier, c'était bon. Hier, c'était aux yeux du monde. Aujourd'hui, c'est mauvais. Je ne veux pas entrer dans les détails. On reste au cadre que c'est entre nous la réunion. Parce que si on va aller que l'amitié, la fraternité, c'est les mêmes, c'est les mêmes gens qui détruisent mes propres soeurs. Mais comme je n'entre pas dans ça, je répondrai plus tard avec la sagesse, avec la vraie sagesse. Tout ce qu'il peut dire, c'est que j'observe pour voir la canalisation de toutes ces choses et gérer le problème qui est le plus important que vous venez de m'appeler. Hein? Oui, mais selon toi, Bobby, tu penses que tu peux résoudre ce problème quand, ne serait-ce que l'avance? Toi, tu, selon toi, on ne demande pas de donner une date, mais que tu nous dois approximer. Ce que je vais te dire, à proximité, ça peut... Tu peux faire, c'est le dossier. Je suis en train de mettre tout en œuvre pour que ça soit parfait et correct. Et ça sera. Je sais de quoi je parle. Je sais ce que je suis en train de faire. Je suis en train de te dire tout à l'heure, je ne veux pas trop répéter. Parce que même les machines, le plan A, plan B, plan C, plan D, plan Z, je suis en train de tout mettre. Je veux savoir si ça va être juste bon ce mois. C'est tout ce que je veux savoir. Si ce mois, tu me confirmes que voilà, ça va être bon. Ne prononce pas. Je pense que ça peut, ça sera. Mais ne prononce pas parce que pour éviter qu'il y ait un capotement, pour que tout soit parfait, je suis en train de mettre tout, mes batteries en jeu. T'inquiète. Mais pour aller dans la certitude, je sais ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes des hommes. Mais les autres, je les dis toujours pareil, mais je ne sais pas pourquoi ça capote. Et tu sais, parfois, les femmes, parfois, vont dans un cirque, parce que je te dis, ils ont raison, je leur donne toute la raison. Même ceux qui vont à la dérive, je suis un homme que je prie beaucoup et que je ne veux pas offenser quelqu'un, prendre ce qui ne m'appartient pas et faire du mal à quelqu'un. Même mes enfants, même les enfants de ma famille, ça a loin de retomber. Je te le dis pas en grande personne. Et Georges, en grande personne. Je pense que Georges, tu me connais, tu connais bien ma famille, même pas apprendre à les connaître. Je sais que tu les connais, tel qui a la colère, l'autre qui est comme ça, tu connais ceux qui sont dans, qui entrent chez moi, ce que je fais, c'est je ne veux pas entrer dans les détails. Même Georges, tu m'as posé une question très concrète tout à l'heure. Bobby, ça s'est passé comment? Je te reprends.
c'est là. On s'est vu, non, Georges? Allô? On t'écoute, hein, on t'écoute, hein. Je pense qu'avant que Patina entre même, avant que je ne tombe même vraiment malade, on s'est vu. Je ne veux pas entrer dans les détails. Et Flore même, je vais la répondre ou bien que ce soit dans ce qu'ils disent un jour. Le problème par les actes, c'est que tu savais que ça devait arriver jusqu'à là, en sachant que tu connais les personnalités, le caractère de Flore. Tu savais qu'à un moment donné, s'il n'y a pas l'argent, tu vas le faire. Je te pose une question, Georges. Avant que tu n'entres dans cette association, on était toujours ensemble, je ne peux pas te mépriser un jour. Je connais ce que tu vaux dans mon cœur. Pour moi, dans mon cœur, avant qu'elle arrive en Europe, même, je connais ce que toi tu vaux dans mon cœur. Et même mon propre papa, mon feu papa, il connaît ce que toi tu vaux dans mon cœur, toi Georges. Je suis arrivé là-bas, je observais tout le monde. Avant Flore m'appelait, non, elle est avec moi tous les temps, non, Flore. La même Flore, avant qu'elle entre un autre temps à la réunion, de moi qui suis à la réunion, on s'est vu au mariage d'un membre, non. Je vais la répondre cela. Je vais répondre, je vais la donner tout son film. Elle-même, elle va lui dire, maintenant, tout ce que tu as dit maintenant, est-ce que tu peux révéler tes paroles? C'est là où maintenant elle va me dire pourquoi elle ne peut pas révéler ses paroles, parce que je lui ai posé une question. Quand on a exposé ton enfant, tu t'es déshabillé, non? Tu as fait que tu es devenu Flore de Lille, non? Marche donc dans la vérité, Flore. Marche dans la vérité et tu me connais. Parce que même si quelqu'un pleure, c'est 5 francs. Toi, marche dans la vérité. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je reste dans la source. C'est un peu dans ça. Et je suis en train de dire à Patrick. Allô? Oui, je t'écoute. Oui, Patrick, donc je suis en train de faire comme tu fais là. Je ne veux pas du tout en secours. Et même quand je ne réponds pas dans le groupe où j'appelle telle personne, parce que je ne veux pas vous parler un truc que ça va faire mal à quelqu'un, ou bien où je vais dire tout que demain ou après-demain, ils vont me sortir des paroles. Tu sais, quand tu veux faire des choses concrètes, évite les paroles. Donc quand tu me vois même être rescrimpant, ou bien genre, je suis en train de faire certaines choses qui vont être bien, j'évite les paroles, j'évite de trop parler. Je pense que même quand j'étais même contre tout ça, la dernière fois que tu es venu me voir, tu as dit que tu m'as dit un mot qui m'a plu. Bon, les mélanges me sont ça. Si je ne mélangeais pas, c'est que même avant que c'est qu'elle n'est pas dans les réseaux sociaux, je dû parler. C'est que la vie, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent. Mais comme tu m'as parlé un mot, et comme je suis chrétien, je crains Dieu, je suis allé dans le cadre de la vérité. Le cadre de la vérité, c'est quoi? Je vais gérer cela sans mélanger ça et ça et ça. C'est pas ça, pas. Oui, mais il faut que tu nous certifies, parce que si on a la certitude que tu vas remettre à un tel jour, ça va calmer au moins le cœur des gens. Parce qu'on est, au dernier virage, Bobby. Bobby, excuse-moi, nous sommes au dernier virage, Bobby. Tu vois, on a trop patienté. Je dis bien, c'est une agence, c'est l'agent d'une association. On a trop patienté, Bobby, sans vous mentir, on est au virage. Et sans vous mentir, Bobby, nous on fait l'effort d'essayer d'apaiser les cœurs dans espoir qu'on va voir cet argent pour gérer les filles et les membres de l'association. Mais ça ne vient toujours pas. À un moment donné, on est fatigué. J'ai tout compris, et quand on va lui donner ma partie là, que voilà ça, il continue à donner. L'autre qui a fait la vidéo là, maintenant, elle va dire quoi? Ça, c'est ça. Non, sur le cas de Flore, on va gérer le cas de Flore. Déjà, elle a fait quoi? Parce qu'une histoire d'association, ça ne devrait pas se retrouver sur les yeux. Je pense qu'on a une loi pour ça. Là, ce qui nous intéresse maintenant, Bobby. C'est la différence que vous devez lui donner, ne lui donnez pas, parce que si vous lui donnez, après, c'est là que je vais donner. Je vais passer à une autre étape pour elle. Parce que ça c'est débordé. Non, Bobby, ce qui va se passer dans l'association, non, elle est dans ses droits. Même si elle a fait ce qu'elle a fait, Bobby, elle est dans ses droits de faire ça. Elle est dans le droit de réclamer son argent. Même comme elle n'a pas suivi le règlement de l'association. Non, Bobby, pour Flore, on va s'occuper de ça au niveau de l'association. Nous, on a engagé un truc pour Flore. Ça, c'est le sens fort comme ça concerne l'association. Tout ce qui nous intéresse, c'est de faire entrer cet argent et de donner ça aux membres qui attendent ça impatiemment. Patrick,
Maintenant, comme tu as tout dit, je vais t'appeler là, genre, je vais faire le truc que les femmes restent, donc comme ils disent que je les appelle, reste et cette information que je t'ai dit là, que je sens que ça se passe là, que ça reste privé. Parce que tu sais que les hommes ne sont pas comme on pense. Hein? Tout ce que j'ai eu à mettre comme programme, ça a capoté. Non, mais ce sont pas les femmes de l'association qui font que ça capote. Le problème, c'est que nous, on doit avoir les mots justes. Je t'explique. Tu ne m'écoutes pas, Bobby. Je vais juste terminer ma phrase. Bobby, je vais juste terminer ma phrase. J'ai dit ceci. Nous, en tant que garçons, parce que nous ne sommes que deux actuellement, on est dans l'obligation d'avoir les paroles qui peuvent apaiser le cœur des filles, les mots justes pour apaiser le cœur des filles, parce qu'elles sont dans leurs droits, elles ont raison de réclamer cet argent. Tu vois, maintenant, nous, on va avoir la certitude quand est-ce que cet argent arrive. Ne veux donc pas que vous fassiez, vous mettez, je ne veux pas que Oui, parce que si c'est l'information, Mais comment d'abord ils doivent être au courant? Normalement, ils doivent être au courant. C'est une association. Ce que vous devez faire, c'est que ce jour-là, vous dites que d'ici le moment-là, je pense que si ça ne va pas, vous allez réfléchir. Donc, comme ça, des jours en jour, on essaie, on communique comment. Bobby, on ne joue pas avec les mots, Bobby. On ne joue pas avec les mots. Tu vois, aujourd'hui, il y a Damaris qui est fatiguée. Je t'explique, il y a Damaris qui est fatiguée parce que tu as joué avec les mots avec Damaris. Elle avait espoir que la semaine qui suivait, elle avait l'argent. Elle est fatiguée, elle a raison, je ne peux pas la vouloir parce que tout ce que j'ai mis avec elle, tout ce que j'ai planifié, toutes ces personnes-là qui ne sont pas claires, je te dis bien que les choses marchent bien. Mais ces personnes, je te le dis, ça c'est quand ça va se faire, je vais créer un à un, par cas par cas. Mais toi, tu n'as pas, vous n'avez pas de problème, t'inquiète. Bobby, ce que tu as envie de faire, il n'y a pas de souci. Le plus important d'abord, c'est de rapatrier l'argent, tout ce que tu vas faire après. Ça, ce n'est pas un problème. Tu vas faire ce que tu veux faire. Flo a fait sa part, personne ne l'arrête. Mais c'est juste les conséquences qui suivent. Mais ce qui nous intéresse présentement, là, on t'a appelé. On t'appelle. On t'appelle, Bobby. Nous, on t'appelle. C'est pour une histoire d'argent de l'association. Le reste, les réactions d'après, ça ne nous concerne pas. Moi, ce que je veux maintenant, avant de me séparer de toi, là, Bobby, écoute-moi bien. Ce que je veux maintenant, parce que je suis sûr que, après ce soir, les filles vont m'appeler. Elles vont vouloir savoir où on en est. Il me faut quelque chose de concret à leur donner. Sinon, c'est normal qu'elles se mettent dans tous les états. C'est normal. Et moi, je suis fatigué d'essayer de stabiliser la situation. Parce qu'il y a eu Damaris qui m'a aussi parlé. Damaris m'a dit, tiens, Bobby va donner, m'a rassuré parce qu'elle était en contact avec toi. Ce qui n'est pas fait jusqu'aujourd'hui. Donc, il faut quelque chose de concret. Quand est-ce que... Comment ça se passe? Est-ce que c'est moi, si on est dans l'assurance, qu'on va avoir cet argent? Non, ça va se faire. T'inquiète, ça va se faire, ça va se faire cette fois-ci. Bobby, est-ce que tu sais que je peux descendre au Cameroun, Bobby? Parce que moi, je te parle les choses directement. Hein. Moi, tu sais que je peux descendre au Cameroun, Bobby. Moi, je vais encore m'accorder ce temps-là. Le temps que tu réfléchisses pour envoyer l'argent. Moi, je te le dis sincèrement. Bobby, même si j'ai 200 euros dans ça, Bobby, sans te mentir, je suis capable de causer un acte qui va impressionner les gens. Bobby, moi, je te parle aujourd'hui en